Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Ce soir nous allons faire un petit live, pas très long, pour terminer ce projet parce que j'ai reçu les fusées. Donc on a des fusées à monter. Les fusées, vous savez qu'on avait eu un problème avec les fusées. Les fusées étaient identiques droite et gauche. Donc c'est le projet de notre ami Virgile et en collaboration avec le Blots RC Shop de monsieur Laloutre. Laloutre Blots RC Shop, salut JB, salut Virgile et Laloutre présent, salut Matt, salut Stéphane, salut Olivier. Alors, donc on a les fusées, on va les monter. Il nous restera la carreau. La carreau, on va essayer de la faire très rapidement. Alors, hop, on va sortir. On avait la boîte du Schum, vous en souvenez? Projet qu'on a commencé, on avait mis en stand-by parce qu'on attendait des pièces et puis on attendait la petite fusée. On attendait aussi la peinture de la carreau. Alors, le variateur choisi qu'on va monter ce soir, c'est le Xerun 120 ampères. Mince. Hop. Il est là. Voilà ce qu'on va monter. On a des condensateurs à monter aussi. Les fils de couleur pour monsieur Virgile. Des beaux fils de couleur. Bon, je blague, je sais qu'il n'en veut pas. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. Salut Jonathan, salut Julien Jarry, salut David Clark. Oh, Syrienne, salut, coucou, salut, comment vas-tu? Merci beaucoup Julien pour le don à la chaîne, c'est très gentil. Merci beaucoup Virgile aussi, très très gentil, vous... Vraiment très aimable les gars. JB, tu pourras donner les références de ton variateur et de ton moteur. Bah oui. Alors voilà en gros plan ce que c'est. Hop, mille merci pour les dons à la chaîne. Alors je les mets à l'endos. En fait j'ai inversé ma caméra donc maintenant vous voyez ce que je vois dans le même sens. Alors c'est le Xerun Obi-Wing 120 A. Donc c'est un variateur qui coûte 85 € sur le Wartel Shop. C'est un ancien haut de gamme on va dire. Je pense que... Enfin, franchement, si vous voulez en compète, c'est déjà très bien. Il y a mieux, mais pour du loisir, c'est largement suffisant. C'est déjà, c'était un ancien modèle de compète avant, donc il correspond tout à fait. Salut Corentin, bonsoir. J'ai une question. Inverser les fils d'un moteur brush peut inverser le sens de rotation, ne risque rien? Non, ça risque rien. Un moteur à charbon, tu peux inverser les fils, il va tourner dans l'autre sens. Voilà. Après, je parle bien à un niveau loisir, ça risque rien. À un niveau compétition, à l'époque des moteurs à charbon, les gens considéraient que tu re-rodais les charbons dans l'autre sens, donc c'était pas top. Mais franchement, à un niveau loisir, on s'en fout complètement. Voilà. Voilà. Alors, c'est parti. On va sortir le fer à souder où on inverse déjà les fusées. Non, j'ai déjà envie de... On va tout de suite attaquer l'électronique. Monsieur Sébastien Faussaire, salut à toi. Si jamais vous voyez que vous avez posé une question que j'ai pas répondu, n'hésitez pas à la reposer. Et d'ailleurs, j'ai oublié de me mettre dans le Discord. Je suis désolé, j'ai carrément zappé. Il y a déjà... De la piste de accro, il y a le carton qui est ouvert. Salut le Discord. Ah, salut Tony, on t'attendait. Salut Julien, salut Stéphane, salut Tamiya. Ça va? Bah oui, et vous? Une heure qu'on t'attend sur le Discord. Bonjour à tout le monde dans le chat. Bonsoir monsieur Fausset. Bonsoir à tous. Corentin, Virgile. Bonjour Stéphane, bonjour Virgile, bonjour Sébastien, Corentin, Julien. Alors on va faire un peu de soudure. Hop, bonsoir, salut Blots. Mathieu Vigourou. Salut. Ça va, monsieur Tony RC? Ouais, fatigué. T'as bâché ou bien? J'ai bâché et j'ai caché. Non. Si. Bon, bah voilà. Faut arrêter de faire trop. T'as été vite alors. Attends, je t'entends pas bien, Tamiya. Il a broyé. Il a. J'ai dit quoi? Il y a quelque chose qui va pas? Ouais, je sais pas, je t'entendais pas bien. Ça joue ou pas sinon? Vous comprenez bien Tamiya? Monsieur Armakit. Alors, qu'est-ce qui me manque? Les fils blancs. Où sont passés les fils blancs? Bonsoir, ça fait un son. Demoiselle, ou bien, je sais pas. Tony. Quoi? Je t'entends pas bien? Oh, mais il y a quoi? Vous m'entendez les autres ou pas? Hein? Tamiya, c'est toi qui parles là? Arrête, Stéphane. T'as des dons, Tony. Syrienne, merci beaucoup. Alors Syrienne, c'est une copine qui joue aux jeux vidéo avec moi. Voilà. Ah, d'accord. Mille merci Syrienne. Ah, t'appelles ça comme ça, toi? Faut pas me dire tout rouge, Tony. Mais non, mais je suis surpris, merci à toi. Alors... Jouer aux jeux vidéo, tiens, c'est pas mal ça. Oui. Regarde Tony, il est tout rouge. Oh, le bout ventilateur, regardez. Ah, non, non, Sébastien, t'as rien vu. Alors, hop. Oh, il est pas bleu, c'est pas le bon. Je t'ai dit, il faudra investir dans une nouvelle table de micro, je t'ai donné les problèmes de son dans le YouTube. Non, mais attends, tu vas voir qu'on va trouver le ventilateur à Sébastien dans la commande. Hop. Il hack les jeux. Qu'est-ce qu'il raconte là? Alors. Non, Rémi qui hack. Rémi, il craque, qu'est-ce qui se passe, Rémi? Salut Bourrino. Problème de son sur le YouTube à Tony, ça recommence? Ah ok, je coupe. Ouais, je viens d'aller vérifier, le son sur le YouTube, il déconne. Ok, j'ai rebranché ma carte son. Est-ce que ça vous convient? Alors, plan bureau. Une nouvelle table de mixage à Tony. Voilà, j'ai rebranché, dites-moi si le son est meilleur. Virgile, tu me confirmes que tu avais pris un récepteur Sanwa? Mais si les Sanwa, on va pas l'entendre, hein, Virgile. Ouais, je suis reparti sur YouTube, le son il est nickel. Ouais, bon, ok. Alors, merci les gars. Ok. Virgile, oui, il confirme. Les pneus, on range. Allez, on va attaquer la soudure, le câblage. Bon, bah non, il n'y avait pas le ventilateur de monsieur Fausset. Bah, je pense qu'il a dû rêver, monsieur Fausset. Bah non, il dit que... Non, non, a priori, pour l'instant, il a disparu le ventilateur. Et puis, je pense qu'on l'a jamais vu hein, sur un live. A priori, on l'a jamais vu. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce ventilateur. Alors, on a un ventilateur à placer. Alors, tenez la serpent... bonne route. Hein, si je te jure, Tamiya, on t'entend pas bien. Ouais, je sais pas, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Si, moi je l'entends bien. Ouais, c'est bon, j'ai monté ton son. Alors, on a un petit ventilateur à monter qui est magnifique. À mon avis, on va pas mettre les vis. Ah, quoi qu'il va... Comment tu pensais le mettre, Virgile? Derrière, derrière le moteur comme ça? Ah, ben non, j'ai enlevé la vue là. En fait, Virgile, il est désolé, il peut pas en vocal parce que sa fille fait dodo. Ouais, ouais, je sais. On s'est appelé là juste avant. Faut pas. Faut aller au bureau, Virgile, comme moi. Il met un casque sur la tête. Sébastien, il dit commande, on va confirmer par Wartel, il a un... Ouais, non, non, mais c'est vous qui arrêtez pas de... Mais oui. Ça y est, c'est de nous. Ah, c'est de notre faute, on va repartir. C'est de votre faute. Alors, Virgile ne veut pas des fils de couleur, il veut des fils blancs. et vont jaunir avec le temps. Alors, qu'est-ce que vous pensez des fils blancs? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Alors, moi, je vais être honnête, c'est joli, mais je pense que ça va jaunir. Ça, c'est mon avis, après. C'est Virgile le chef. Ah non, mais il paraît que ça fait super classe. Non, je dis pas, mais je crois après tu peux les changer au bout d'un moment. Alors oui, si, c'est une petite voiture. Hein. Par rapport à celle qu'on des fois on veut voir, ça fait partie des plus petites voitures. Alors. Ok, j'ai repris les gars. On aura aussi des prises à souder. Donc des prises PK5. L'épaule ABC. On aura le récepteur. On va peut-être le placer tout de suite, le récepteur. En fait, voilà. Donc on a un récepteur à placer. J'ai été frustré avant, je n'ai pas pu intervenir avec le camion en bas. Bonsoir tout le monde. Hello Ludo, bonsoir, salut Bumblebee. Salut Tony, salut le chat. Ouais. T'as décidé. Bonsoir monsieur Bumblebee. Non, les deux. Salut David, comment ça va? Ça y est, Tamiya il est inquiet déjà. Ah, on faisait un truc tous les deux, on s'est dit tiens on va aller voir Tony. Salut David. Je vous ai dit, Tony il est en live. Salut Stéphane. On ne voit pas tout le monde encore. Alors, vous êtes 23, il n'y a que 6 petits pouces sous la vidéo. Alors. Tony, de toute façon, Bumblebee met un doigt. Non, je mets pas un doigt, moi. Ouais, quelle mauvaise chose. Alors, on fait pas de blague graveleuse, hein, parce qu'il y a une fille qui nous regarde. Voilà. Ça y est, il y a la copine à Tony, attention. De Tony, pardon. Bonsoir. T'as bien encore, toujours t'as bien. Non, je suis pas la copine à Tony. Comment il va, monsieur Kitt? Ça va? Oui. Je disais, ma serpente est en bonne route. Ah, ça y est, t'es rassuré. Et le Corally, il est où alors? Je sais pas, il nous le montre pas. Tu dis à moi? Non, mais attendez, à toi. Je peux pas tout faire d'un coup. Le Corally, il est cassé. Non, Tony, je parle à Tamiya. Il voulait l'acheter, le Corally. Oui, mais j'ai dit, pas maintenant. Je viens d'acheter. Tu sais combien ça coûte une serpente? Demande à Tony. Non, mais après, je peux pas savoir les fonds, moi. Ça m'intéresse pas. Bah, bonsoir Florent. Alors, non, on va Virgile, si tu me vois, je pense, est-ce que tu es d'accord? Je pense que ça ferait bien, c'est de passer non pas les fils moteurs vers l'extérieur, parce qu'ici on aura déjà les fils d'accu, tu vois. Donc comme là il y aura déjà des fils d'accu qui vont aller de là à là, je te propose, pour que ça soit plus propre, de les faire partir vers l'intérieur du châssis, et du coup de mettre le variateur dans ce sens-là. Donc l'avantage de le mettre comme ça, c'est que les fils ils vont aller comme ça. Voilà, les prises de soudure sont là. Et surtout, on a le cap sensor qui se retrouve du côté du moteur. Et alors que si je le tourne de l'autre côté, le cap sensor va être à l'avant, côté cerveau. Je valide, nous dit Virgile. C'est parti, on va couper, souder. Il y en a un qui est bizarre dans le chat. Laloutre, Blots RC raconte un truc bizarre. Mais c'est parce qu'il est au taquet, parce que regardez ce que j'ai collé sur l'aileron. Regardez, avec du blanc derrière, on voit mieux. Voilà. C'est le Blots RC Shop de Monsieur Laloutre. Il est doublement au taquet. Alors, c'est petite publicité. Si vous cherchez des bons prix, n'hésitez pas à demander des tarifs auprès de Monsieur Laloutre. Donc, vous le trouverez facilement sur Instagram. Et donc c'est Blots RC Shop ou sur Facebook. Voilà. David, t'as roulé aujourd'hui? Il a roulé en serpente. Bumblebee, t'as roulé? Non, j'ai fait l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Elle a quel âge? Elle a 5 ans. D'accord. David, il n'a pas été à la piste, sinon on l'aurait vu en vidéo. T'as l'air joyeux comme tu dis ça. Oui. Non, mais quand t'as 7 mômes à gérer, c'est une galère. Moi, je comprends. T'en as 7? Mais non, quand t'avais tes amis. Ah, ok, excuse. Bah oui. Moi, j'avais la nièce, ma petite nièce. J'en avais 6 aujourd'hui, des garçons à la maison, là. Pour l'anniversaire de ma fille, je te dis pas, pendant 2 h 30. L'anniversaire aujourd'hui, dis-moi. Ah ouais. T'es épuisé, quoi, franchement. Fais des crêpes. Hein. Ouais, des crêpes, tu vas pas manger des crêpes pendant 6 heures. Hein. Non, puis ça fait du bruit, ça. C'est un Bumblebee, elle est mauvaise, là, on va le laisser tranquille. Non, la Tony, il a été fait. Quoi, bah, la voiture. Quelque chose de Tony ou pas? La voiture la plus costaud, c'est celle que mon fils a utilisée aujourd'hui, c'est la VL Toys. Mais il l'a cassée aussi. Oui, il l'a cassée aussi. T'as cassé quoi, Tony? Le même cardan, mais de l'autre côté. Je pense que j'ai un problème sur les cardans que j'ai eu. Et Tony, je me rappelle plus, t'as cassé pas que le cardan. Et la fusée qui va avec, j'ai déboîté les deux boules sur un petit seau. Hein. Un petit seau, elle est partie enroulée-boulée comme l'autre fois. Pareil, elle est partie un peu de côté. Elle a fait 3 tours. Et quand elle s'est arrêtée, j'ai vu que la roue était arrachée. Voilà. Je t'ai envoyé un lien sur ton Messenger. Il y a quelqu'un d'autre avec un Chronos qui a cassé aussi cet après-midi. Tu regarderas si c'est la même chose que toi. C'était au même endroit que moi. T'es bon pour recommander alors les supports de, comment on appelle ça? Le cardan, mais où tu insères les boules là. C'est porte-fusée, porte-fusée. Ouais, la fusée, ouais, la fusée. C'est porte-fusée. Ouais, c'est, enfin, quoi que c'est un système à rotule, on dit. Je sais pas si on dit la fusée là. Voilà. T'étais en 4S, Tony? Comment? T'étais en 4S ou 6? 4S. Oh, je roulais tout 4S. Cool, hein. J'ai filmé encore une fois. Je pense qu'il y a un problème de défaut sur les 2 cardans que j'ai eu, je crois. Non, puis la fusée, la photo, le mec, il l'a cassée. Hein. Ouais, moi, ma fusée, elle a cassé, elle est fendue au-dessus de la boule. Ouais, bah lui, c'est pareil. Tu regarderas, ça se trouve, c'est un défaut. Alors, je vais fixer le variateur. Alors, ils ont peut-être donné du scotch. Ouais, il y a le 3M normalement avec ceux-là. T'aimes bien le 3M? Attends, une petite rectification. J'ai regardé le live d'avant, si je peux me permettre. Je sais pas. Oui, mais c'est rien de grave. Parce que tu as présenté la radio MTS. Mais je crois que c'est une batterie 2S qu'il faut mettre dans la MTS. Si bah, non, tu te trompes. Puisque je me trompe. Tu te trompes parce que... Une 2S. Bah non, parce qu'il n'y a que 4 piles. Ben, j'en ai une et c'est une 2S. 7 V 4. Bah 4 piles de 1 V 5, ça fait 4 V... Ça fait 6 volts. Ça fait 6 volts. Et la 44, elle a que 3 piles. Elle a que 3 piles? Ah, c'est vrai que je l'ai jamais utilisé avec les piles en fait. Ok. Bon, bah alors tu as bien raison. Non, mais de toute façon, je corrigerai puisqu'après on va faire une mise en route. Il m'a demandé. J'ai entendu. Ça a l'air sympa. Il est joli ce camion, hein. Oui, David Clark, la pâte, c'est du décapant. Tu trouves ça dans les magasins. Leroy Merlin, Brico Dépôt, etc. etc. Depuis que j'utilise la pâte à décaper, mes soudures se font 10 fois plus facilement. Voilà. En plus, ça va. Un bon fer bien costaud, ça marche encore mieux. Mais si tu as un petit fer pas très puissant, avec de la pâte à décaper, tu réussis tes soudures. Alors, j'ai dit que j'avais quoi à mettre. J'ai l'interrupteur. Je sais pas où on va le placer. Je réponds jusqu'à Mathieu Vigoureux. Moi, j'ai une MT44 et puis j'ai acheté un AQ, puis c'est l'hypo que j'ai mis dedans. Ah bah c'est Mathieu Vigoureux à qui appartient la Sanwa. Voilà. Ouais, mais il me demande si on met du LIFE dedans. Alors maintenant, tout d'un coup, tu me mets un doute. Oui. Moi, ils m'ont vendu une lipo. Ouais. Ouais, mais tu peux mettre du LIFE, tu peux mettre du lipo, tu peux mettre du NIMH. L'avantage du LIFE, c'est que c'est un petit peu moins élevé en voltage que le lipo. C'est peut-être pour ça, non? Mais non, non, elle accepte sans problème le lipo. Hein. C'est marqué sur le site Sanwa. Ah d'accord, merci David. Mais toi, tu l'as aussi. Moi, j'ai la MTS. Ouais, bah, c'est celle-là. La MTS, bah, c'est vraiment la radio entre celle de Sébastien Fausser, qui était la J'arrive pas à lire. MX6. MX6 oui, qui va coûter 100 €. La MTS, 220 €. Et la MT44, 300 €. Et donc la MTS qu'on a présentée tout à l'heure était livrée dans la boîte avec 2 récepteurs. Ouais. Avec un seul récepteur, elle est moins... Ah d'accord, bah lui il l'a pris en version 2 récepteurs. Ludo, il a aussi une MT-44 en AS. Oui, la MT-44, c'est en AS, Ludo. Ça, c'est juste. Mais on parle de la MTS. C'est juste. Puis c'est encore pas les plus chers des Sanwa. Hein. Ah non. Ça suffit largement. Oui. Même la MTS. Bah, la MTS, moi, elle me suffit largement. Ah, JBD, il n'y a pas de serpent, JBD. D'ailleurs, si ça l'intéresse, Mathieu Vigourou, je peux lui mettre le lien. Le lien pour les batteries à 8 € sur AliExpress pour mettre dans la MT. En lipo 2S 2000. Je sais pas s'il va sur le Discord, Mathieu Vigourou. Salut monsieur JBD100, comment tu vas? Bonsoir JBD. Bonsoir à tous, bonsoir le chat, bonsoir le Discord. Sébastien. Bonsoir la douane. Bonsoir monsieur Sébastien. Bonsoir la douane. Sébastien, j'ai beaucoup pensé à toi. Oh non. Non pas cette nuit, hein, dans mes rêves. Alors ça va. Mais quoique peut-être, hein, mais c'est pas des rêves comme tu peux penser, c'était plutôt par rapport à, à tes projets, tu vois. Non, ce qui paraît, il faut rester assez cool ce soir. Il y a une fille dans le chat. Et la copine de Tony. Alors, il y a la copine de Tony qui est là. JBD monte la roue libre avant de la serpente. Je vous écoute, il m'a dit. Salut, JBD. Bonsoir, JBD100. Excuse-moi, excuse-moi. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, Tamiya. Je vais peut-être enlever la queue quand je shoot, c'est peut-être plus... C'est peut-être mieux. Il va tout péter. Parce qu'en plus, un bel AQ comme ça, hein, si je fais tomber de la soudure dessus, ça serait... Ah oui, c'est vrai que je l'ai rentré en force l'autre fois. Inventez-le. À la masse. Mais lui, Tony, je sais pas... Ah, maintenant, on va arracher les... Ah, non, non, ça va. Si, 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 il y a les stickers sur le côté là, mais c'est vraiment rentré en force. Donc là, je vais laisser Virgile trouver sa... prendre sa décision, comment il va faire, parce que c'est soit il lime le carbone, soit il lime l'AQ, mais bon, je crois que c'est plus simple de limer. C'est pas les vis qui passent pas? Non, c'est vraiment l'AQ qui a du mal à rentrer. Alors, ah, c'est pas possible, j'ai tournevis. Donc, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Et tu le fais bien, mais là, le problème, c'est que tous les fils sont blancs. Voilà. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr, chef? Moi j'aime bien c'est qu'est-ce qui nage bien le chef. Il y en a qui ont trouvé de quel film on parle. Passez vite, passez vite. En tout cas, moi je vous dis, si vous vous gourez, la mère Crozier va pas vous louper. J'ai dit du halal. J'attends ça là. Et là là, Bumblebee ou bien... Le chef il a dit du halal. Bon alors pour ceux qui ne savent pas, on parle d'un film qui s'appelle La 6ème Compagnie. Ouais, la 7ème plutôt. Ah Bumblebee, ça va Bumblebee? La 6ème Compagnie. Voilà. Restez groupir, restez groupir. Tenez, j'ai une question, tu mets les fils comme ça, puis le ventilo après, ça va refroidir comment? À travers les fils. Le ventilo du moteur? Ouais, j'ai une question hein, après. Moi. Non, non, je sais pas où ils comptent le mettre, Virgile. Et surtout, faut pas oublier de s'écarter de 100 pas. C'est combien de tours? Quoi qu'un combien de tours? C'est un combien de tours le moteur? C'est un 13,5. C'est un 7,5. Ah ouais, 7,5, il y a peut-être besoin d'un... Vous parliez du ventilo du moteur. Oui, ouais, du ventilo du moteur. Le problème, c'est qu'il y a de la place en bout, mais je sais pas si... Il n'y a pas de place pour le mettre ailleurs, parce qu'on a tout de suite la queue qui est devant. Après, il est collé à côté du moteur. Après, regarde, Virgile... Ah non, tu le vois pas là où j'ai mis mon doigt, mais regarde bien ici. Ici, sur l'espèce de... Il y a un espèce de truc pour renfort de châssis, je sais pas à quoi il sert, mais tu pourrais très bien adapter le ventilateur au-dessus, en le tenant, en lui fabriquant un petit support. Il y a de quoi mettre une longue vis là-dessus. Et le ventilateur pourrait être à l'horizontale au-dessus du moteur. Mais sinon on peut le mettre là en bout, qui va, il va ventiler la tête du moteur. Voilà, donc là j'ai étamé toutes mes prises de vario. Voilà. Il est beau ce ventilo. Oui, il est très beau. Il est à lui ou bien? Parce que Sébastien est là qu'il faut parler du ventilo. Non, mais t'inquiète, hein, je suivais déjà avant. Hein. Que vous avez demandé à Laloutre s'il l'a pas reçu avec la serpente aujourd'hui, le ventilo. Non, mais oui, ça, on a oublié de lui demander, tiens. Normalement, il y en a un qui est avec, c'est le mien cette fois. Ah, Tony, il l'a pas. Tu l'as gardé ou bien? En plus, j'ai bon, Tony, par contre, je suis... Pardon. Comme ça, il va pas nous dire, ah tiens, j'ai retrouvé le ventilo de M. Fausser. Moi, je suis déçu, hein, t'as le mauvais t-shirt. Ouais, mais déjà avant. J'ai pas Cougar. Ah. Déjà avant, il avait le mauvais t-shirt. T'as pas du Schum? Non. Non, il avait pas le t-shirt Baou non plus. Hein. Non, j'ai pas en Schum. Après ça, ils ont l'air bien, c'est plus l'X-Ray. Hein. Ils sont épais, hein. Waouh, c'est vraiment des pulls d'hiver. Hein. T'envoies le lien Discord, s'il te plaît, parce que moi, je vois le lien, finalement, il n'est pas géant, là. Salut, Electron. D'habitude, les liens AliExpress, ils kilomètres. 40 visionnages, je te dis. Bonsoir à tous, vous êtes 40, merci à vous. Donc on est en train de souder, on termine le projet de Monsieur Virgile, donc là on va lui souder à sa demande. Oui, ça flash, regardez bien, c'est des fils blancs, moi je trouve ça très joli. C'est... Ouais. Ce sera peut-être, il sera peut-être obligé de les changer de temps en temps, quand ils se saliront. Mais il paraît que ça se nettoie facilement. Avec un coup de solvant, un coup de diluant. Avec du frein à disque. Même pas une éponge du savon, ça part tout seul. Ouais, mais avec le soleil, comme ça prend la journée à cause du soleil, ça on peut nettoyer. Ah ouais. Non mais et à mon avis, Virgile, il fait pas une collection et il va pas garder ses voitures au soleil dans une vitrine. Voilà. Tamiya, tu... ça se sous-entend quoi? T'as vu cette vanne, hein? En plus, un gold member. Oh, pardon, j'avais oublié que tu étais gold member. Tamiya, tu nettoies bizarre avec des freins à disque? Mais non, avec du nettoyant pour freins, je voulais dire. Ah oui, ça voulait dire. Virgile, les fils d'accu, tu les veux blancs aussi ou tu les veux rouge et noir? Ou complètement noir? Bleu, blanc, rouge. Et Stéphane, t'as combien de comptes ce soir? C'est bien, il s'est abonné 3 fois à ma chaîne, Stéphane. Ah ouais, Stéphane, c'est un... Ah bah ouais, ça. C'est un gueudin, lui, il y a plein de comptes. Ouais. Le moteur, c'est un Muchmore. Non, pas du tout. C'est le V10 de chez Obi-Wing en 7,5, rebadgé Schum. Ouais. Ouais, hop. Elle a les deux en même temps. Comment il fait pour avoir les deux pseudos en même temps? Bah, il a un compte sur l'ordi, un compte sur un téléphone ou une tablette. Voilà. C'est la CIA chez lui. Ben, ça lui permet de vous obtenir des prix. Hello les filles, ouais, salut Christophe. Christophe, il te reste plus que 3%, alors tu n'as pas parlé. Bonsoir Mika le Flash. Oups, bah tu vois, on parlait du pull, est-ce qu'il est bien? Oui, j'ai chaud. Bonsoir mademoiselle Christophe Legros. Comment allez-vous mademoiselle Christophe Legros? Vous en pensez quoi du coup du Muchmore? Bah moi j'en pense rien, c'est une... J'aime bien... Moi je connais pas. J'en ai pas du Muchmore. Christophe... Moi j'ai des Muchmore, c'est des champignons. Eh Tamiya, faudra que t'expliques pourquoi t'as envoyé un bougeoir à Christophe. Salut Mika, le flotte. Banggood, c'est pour quelle radio? Ton lipo, bah c'est pour la MTS. Non, oui, pour la MTS. C'est Mathieu Vigourou qui demande? Ouais. J'imagine. Tu m'as dit quoi, Stéphane? Que j'ai fait? Sur la Laloutre, il peut en avoir une, ouais, peut-être, ouais. Tu sais pourquoi t'as envoyé un bougeoir à Christophe? T'as envoyé un bougeoir à Christophe? Ah ouais, d'accord. Oui, la Laloutre, moi, c'est pour la MTS, parce que c'est du lipo 2S sur la MTS. Allez. D'ailleurs, j'ai pris des petits accus de récepteurs pour mes thermiques, là. Mini. Je viens de me rendre compte qu'ils rentraient aussi dans la MTS. Je fais des accus de secours. Bonsoir, Cyril B. Bonsoir, Jérémy Cosandé. Ça me dit quelque chose, ce nom? Serais-tu suisse? Jérémy Cosandé, il y a une question pour Tony, enfin pour tout le monde là. Ah bon? Cosandé, ça en fait, est-ce qu'il a répondu Virgile par rapport aux couleurs des câbles? Alors Virgile, oui, blanc, ok, super. Ouais, mais tu mets un détrompeur, une petite gaine rouge là, parce que sinon il va. Alors, pour monsieur Cosandé, moi je te conseille de demander au spécialiste, c'est-à-dire monsieur Laloutre. Blots RC Shop. Moi aussi, je suis de Suisse, monsieur Cosandé. En plus, Laloutre, il peut livrer ensuite. Tu coupes un peu, Stéphane. Hein David, pardon. Ouais, putain, ça le fait pas quand je suis avec Bumblebee. Ça le fait quand on est à plusieurs. Ah bah, tu sais, on a moins d'énergie à plusieurs des fois. Alors, où sont les prises PK? En fin de compte, ça se passe très bien, David, hein, mais c'est quand Tamiya, il parle dedans, ça coupe, c'est normal. Ouais. Tony, on te demande si tu vas au campus de Decathlon demain. Bah non, j'ai cassé la voiture. Qui demande non, Cyril... J'y étais aujourd'hui, j'ai cassé la voiture. Ah, j'ai retrouvé les prises. PK. J'ai retrouvé le sensor. Alors le câble sensor, il est trop court. Ok, il est trop court. Hop. Ouais, le câble sensor est trop court. Ça va, j'ai assez dit. Attends, on a peut-être un avec le Team Asso. Vous voulez que je leur dise? Tamiya, t'arrêtes de donner des idées comme ça, oui. Non mais c'est pas des fois que le Team Asso. Sur les Xerun, des fois, avec le Team Asso, je crois qu'il y en a deux. Bah, pas là. Là, je regarde aussi dans la boîte du Obi-Wing, j'en vois pas. Ah, il y en a un long. Ouais, il y en avait deux. Bien vu. Ah bon, il y avait deux. Ouais. Il y en a deux chez moi, ouais, normalement. Ok. Bon, je le mets pas tout de suite, lui, parce que je sais pas où il va le passer d'ailleurs. Bah, si, il va le passer là-dessous, mais ça va pas être de la tarte. Faudra surélever avec une petite mousse. Alors, on va tout de suite mettre les... Ah oui, pardon. Ah oui, Jérémy, ça me dit que... Mais oui, j'ai vu le montage de ta... Ouais, voilà, c'est ça. 8.3. Oui, Jérémy. Maintenant, très belle voiture, très bon choix. J'ai failli la prendre aussi. Bon, tu l'avais prise? Oui. Mais, enfin, Jérémy, j'ose te demander où tu l'as trouvée en Suisse, machin 8.3e. Tu l'as commandée en Suisse? Parce qu'en fait, elle est out of stock depuis 3 mois chez le distributeur français et belge. Ouais, tu l'as acheté en Suisse ou en France? T'as X-Ray, Jérémy? Dans les crêpes. Ah, c'est bien ton petit support là pour les prises. J'en ai acheté un chez AliExpress là, 3 €. Puis j'ose te demander le shop. Il a un inconvénient, ce petit support. Il est en métal, donc ça veut dire qu'il refroidit tes prises PK. Tu galères un peu plus à les souder. Vaut mieux faire un trou de 5 dans un bout de bois. Ça refroidira moins ta prise, tu vois. Ah ouais, pourtant j'ai soudé mes prises, moi j'ai pas eu de problème. Parce que tu as un fer puissant qui va bien, mais ceux qui ont un fer limite, ce petit support, il a un inconvénient, il est en métal. Et donc il refroidit votre prise, et du coup votre fer demande plus de puissance. Ah, mais Tony sort toujours le gros matos. Hein. Tu as cassé le Chronos. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Tony? Exactement comme la semaine dernière. Je fais un petit saut pas très fort. En plus, ceux qui étaient présents, ils m'ont vu rouler cool. Hein. Parce que je suis vraiment dans une phase où j'y vais cool. J'ai tout filmé, donc il faudra que je sorte une vidéo. C'est parce que là, si là je sors une vidéo, ça va faire mal. Puisque j'ai roulé 3 fois et 3 fois, j'ai pas fini de rouler. Voilà, j'ai même pas pu vider mon accu complètement. Voilà. Donc j'ai fait un roulé-boulé. Et la voiture, elle fait 3 tonneaux latéraux. Et je vois la roue qui est avant droite l'autre jour, là, qui était sur le côté, qui était d'échappée des deux boules. Et aujourd'hui, c'était la roue d'échappée des deux côtés gauche. Et même quart d'an que la semaine dernière, mais à gauche cette fois, qui était cassée. Voilà, donc je pense qu'il y a eu un souci de... Mais t'as fendu la fusée ou pas finalement? Et en plus, aujourd'hui, j'ai fendu la fusée. Donc j'ai une fusée à changer et le quart d'an avant à racheter. Voilà. Putain, je sais pas, aujourd'hui, il tient pas à se faire alors que d'habitude, il tient. Peut-être pas. Hein, les condos, ils se soudent, ils ont des bornes experts, mais tu dois les souder dessous, Tony, tu sais. Faut que je les soude là. C'est juste que. Déjà, est-ce qu'il les veut? Et est-ce que. Ah non, mais là, t'es obligé, Tony, ceux-là, parce qu'il n'y a pas de condos du tout sur celui-là. Hein. Les condos, je sais plus où ça se soude, ça doit être sur le plus et le moins, à mon avis. Ouais. Eh, hey, monsieur Laston. Salut Laston. Kazaoui, que penses-tu des postes à souder LRP Corally? Il paraît que c'est du top, donc le poste Corally, il est excellent. Le LRP, bah, ça doit être dans la même mouture, comme on dit. Oui, oui. Donc, le Corally est moins cher. Voilà. Est moins cher que l'RP. C'est le même produit, on est d'accord. C'est le même produit rebadgé, non? Ouais, je pense. Non. Enfin, ça dépend des LRP. Hein. Que le Corally et le HRC, c'est le même. Hein. Non, LRP. Ouais, mais toi, tu as un HRC? Oui. Oui, c'est la même chose, plus ou moins. Ouais. Ok, HRC, ouais. Là, tu regarderas, Tony, dans le Discord, quand tu as le temps, la fusée, si c'est comme toi. Alors, attends, il y a le Discord qui est juste là. Non, pas autant, mais elle est fendue. Salut, la stunt. Elle est pas cassée autant que ça, mais elle est fendue, donc ça pourrait être ça, ouais. Ouais, big up, stunt. Ouais, big up, la stunt. Et cette fusée-là, elle avait 2 jours. Excellent, la stunt. T'as pas une fusée RC Ariane, Shop. Il est en Suisse. RC Shop. Voilà. En Suisse romande ou Suisse allemande? RC Shop, Jérémy. Je te pose beaucoup de questions parce que... Ben, moi, je pense qu'il a eu une voiture en stock, ou il a acheté une des dernières voitures en stock, parce que X-Ray n'en a plus en stock. Nous, on a la réponse du fournisseur français. X-Ray va sortir une nouvelle version, une version 2021 de la RX-8, et du coup, elle est plus en stock. Si vous voulez, à mon avis, faut savoir que Tamiya, il commande dans la même boutique depuis 1996. T'arrêtes de te moquer de moi, toi. Il n'a jamais regardé les autres boutiques. Mais t'es sérieux? T'es sérieux? Pour tes pneus, j'ai commandé ailleurs. Pour se connecter à YouTube, il utilise le Minitel. Il y a été pas en Suisse le Minitel. Je dirais pas de gros mots. 3615. Je dirais pas de gros mots. 36-15 YouTube. 36-15 YouTube, vraiment. 36-15 Tamiya Kit. Question pour toi, Tony. Pourquoi, sur ton Xerun Elite, tu as changé les câbles directement? Qui c'est qui dit ça? Monsieur Kazaoui. Alors, Kazaoui, parce que la voiture n'est pas pour moi, mais regarde bien les câbles d'origine. Regarde-les. Et tu vas comprendre. La voiture est pour Monsieur Virgile. Et quand il a vu ça, à quoi ça te fait penser? À un variateur Tamiya. Et voilà pourquoi il voulait pas ça. Parce que lui s'est dit, j'achète une voiture de pro et je veux pas des câbles de couleur comme sur un Tamiya à 100 €. Voilà, je suis sûr qu'il s'est dit ça dans sa tête. Eh, Monsieur JBD, pitié. Hein. Eh, Monsieur JBD, cela, je la Minitel Rose. Non, quand même. Depuis qu'il a sa serpente, ce JBD, il est tout feu, tout flamme. Hein. Ah, le stunt aussi, il en rajoute, hein. ouais, attention, la stunt. J'ai pas peur. Bonsoir, Ivanovic. Putain, j'ai du mal à mettre le petit câble. Allez, le petit câble. T'es sûr que t'as le soudé là, ce petit câble? Non, je suis pas sûr. T'es modèle en soudé, d'accord. Mais je suis quasiment sûr. Mais ils ont toute la gamme, Jérémy, parce que moi j'ai une GT, donc c'est pour commander des pièces si jamais. Salut à ceux qui arrivent, Ivanovic. Heureusement que je suis censuré ce soir. Oh oui, t'es censuré, oui. Je m'auto-censure. On ne peut plus te censurer, t'es pas de Fred RC. T'es membre Gold. Là, je pensais qu'ils allaient confirmer dans la notice ou mettre le condo, mais la note, ils le mettent même pas. Depuis très longtemps, la note. Normalement, ils le disent, hein, Tony, t'as les instructions pour le condo. Hein. Non, mais je sais pas si t'as vu, il y a 40 000 lignes à lire. Hein. Non, non, le condo, c'est la première page. Bah, c'est n'importe où ce condo. Bah, de toute façon, ça doit être sur le plus et sur le moins. Non ? Oui, oui, c'est le plus proche du variateur, mais... Merci, Jérémy. C'est cool, TM Shop, ok. C'est marqué après par rapport au nombre de tours, au poids du véhicule. Tu le montes sur un 10e, un 8e ou un... C'est marqué par rapport au poids du véhicule et au nombre de tours. Putain. Ma petite prise pince coupante. Alors Mathieu, il faut créer un compte une fois que tu as téléchargé l'appli Discord. Et après tu viens et tu vas sur bien, là. Général textuel et puis comment oui c'est ça. Hein. Et puis tu as le lien. Une fois qu'il est là que vous le voyez, vous me le dites, je mets les droits. Voilà. Hop. Alors, tu t'arrives à donner le lien, David, parce que moi, je ne suis pas sur mon ordi. Il s'appelle comment? Le lien du Discord. Ah, essayez, quand vous créez vos comptes Discord, s'il vous plaît, de mettre le même pseudo que sur YouTube. Parce que sinon, je ne vous mets pas les droits facilement. Parce que comme je ne repère pas vos pseudos, voilà. Tony, excuse-moi de t'interrompre. La pancar, un 10e, tu mettrais quoi comme moteur? Sur une pancar un 13,5 peut-être. Maxi, hein, pas plus. 13,5 avec un Vario Xerun, là, SCT comme tu as sur ton XP4. Ouais, faut savoir qu'une pancar, il n'y a quand même pas d'amortisseur, donc c'est pas... c'est très léger. Comme c'est très léger, bah, y a un meilleur rapport poids-puissance. Je pense que déjà un 17,5, ça doit déjà... Si la piste est très grande, peut-être un 13,5, mais je pense qu'un 13,5, ça doit faire le job. Si vous commencez en pilotage, peut-être commencer avec un 17,5. Si la piste est très grande, peut-être un 13. Ouais. Il est parti pour mettre un 5T. Pour... Ah, je ne saurais pas, honnêtement, je ne saurais pas dire. Un 5T sur une pancar, n'importe quoi. Bah, je sais pas, moi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit de voir avec la loutre. Et une pancar, ça reste chaud à piloter tout de même. Hein. Bah, si je m'abuse, tu as mis un 2600 kV hein, sur la X-Ray. Hein. Bon, après, moi, j'en ai pas piloté, donc je dis peut-être des bêtises. Je veux pas un 13,5 peut-être, ouais, 13,5. Je... Mais moi, je partirais un 13,5. Moi, je connais... Avec un combo Obi-Wing, ouais. Ah non, on va plutôt mettre les prises côté. Alors, sinon, Jérémy, tu peux prendre les infos chez Laloutre. Ouais, mais il vient de dire qu'il ne connaît pas les pancarts. Il vient de dire qu'il ne connaît pas les pancarts. Ah, je n'ai pas vu ça. Ok, excuse. Ah, excuse Laloutre. Mm. Non, mais après, il faut qu'il regarde ce qui est monté en général sur ces châssis-là. Et... Bon, après, je sais que Laloutre, il est bien placé en ce moment sur les Obi-Wing en 13,5, là. Putain, c'est quoi cette prise de merde? Putain, j'ai perdu ma prise. Ouais, j'ai vu ses prix, ouais. Il n'est pas très loin, puis on peut lui faire confiance, hein, monsieur Laloutre. Bah alors, j'ai perdu ma petite pince. Ma pince qui marche bien, elle a disparu. Ah ouais, Olivier LF, il a pris un 7,5 sur un 12e X-Ray. Ça va s'envoler, là. Vous connaissez le rapport poids-puissance d'une 1/12e? Un avion X-Ray. Ah bah c'est ça, hein. Hop. Virgile, avec des câbles blancs, va falloir faire gaffe, hein, parce que blanc, comment tu vas repérer ton plus et ton moins? Mais normalement, tu mets un petit détrompeur, enfin une petite gaine thermo rouge. Bah ouais, mais il voulait full blanc, moi je suis pas pour. Hein. Moi non plus, enfin après c'est Virgile non plus qui décide. Je pense que c'est très risqué. Tony, tu vas pouvoir lui couper plus court le fil, non? C'est ce que j'ai fait. Ouais, même. Ouais, moi je pense qu'il faut quand même mettre un petit truc rouge juste au bord. Hein. Oh. Ah oui, back thermo, il te dit Virgile. Si, remarque, tu peux mettre, oui, il a raison. Ah, mais c'est une 1/10, les gars, hein. C'est pas une 1/12, hein, ça. Ça. Ah, pancart. Ah, Olivier LS, c'est peut-être du RS, ouais, c'est possible. Oh, je pense qu'une 1/10, attends, Olivier LS, je suis intéressé à Roche, par la Roche P10 Evo 2, 235 mm avec un moteur 5T. C'est trop puissant ou pas? C'est une 235 que Tony là. Ouais, je te dis, moi non plus, j'ai pas piloté avec ça, mais ça me paraît trop puissant. Oui, mais puis c'est pareil, si tu roules, ça dépend si tu roules en 1S ou en 2S, hein, ça roule beaucoup en 1S. Ah oui, c'est vrai que c'est une 1/12. Mais en 1/12, je sais pas trop les moteurs qu'ils utilisent, j'en ai pas fait. Tiens, tu veux une info, Tony? Bah, dis-moi peur, vas-y. Il y a Mondial relais qui vient de m'envoyer que ma voiture était arrivée. Ah, bon bah... Ah bah ouais, mais demain on est dimanche, merde. Ton point, il doit être... Non, c'est bon, c'est un fleuriste. Il est ouvert le dimanche? Bah forcément. Ah bah t'en as de la chance, ouais, mais... toi. C'est qu'ils sont à la bourre, parce que ta voiture, elle arrive aujourd'hui. Ouais. Ah oui, 18h11, ils m'envoient le message. Ouais, parce que les mails, ils traînent. Bah, Jérémy, après, je sais pas ton pilotage, où tu en es, c'est aussi ça. Si tu es débutant, confirmé, ça peut changer beaucoup de choses. Mais j'y étais à 14h30, elle n'était pas là. Ouais, tu aurais dû y aller en fin de journée. Tu aurais dû y aller en fin de journée. Qu'est-ce qu'il préconise, Roche, sur la pancart? Ah, ça se maintient à 40 visionnages. N'oubliez pas les pouces. S'il vous plaît. C'est fait, Tamiya. Un petit pouce en plus pour les ventilos. Non, j'arrête. Je vais me faire bannir. C'est clair. Quoi? La stunt t'a envoyé une vidéo sur YouTube. La stunt? Ouais, une vidéo sur YouTube. Là. YouTube ou Discord. Qui est-ce qui va te bannir, Tamiya? Hein? Tony RC. Et qui va te bannir? Je sais pas, toi déjà du Discord, tu pourrais. Je suis pas méchant. Tony. Mais non, je sais que vous êtes méchant. Faut être juste. Exactement, depuis le temps que vous me connaissez. Voilà, c'est juste. Non, mais il a mis dans le Discord ou sur sa chaîne, la stunt, la vidéo? Non, sur sa chaîne, Tamiya. J'ai dit sur YouTube. Ouais, non, mais j'ai confondu YouTube avec Discord, ça peut arriver, avec tout ce qu'on reçoit. Et la stunt, c'était déjà parti? Ah, Rémi, il nous a mis sa maison au fond du jardin. Mais non, c'est pas la piste. C'est la maison. Ah, mais non, la stunt, tu dois manger, c'est... Cookies. On va voir ce qui monte. Il mange des cookies, la stunt. Il y a Mathieu Vigourou, je crois qu'il est dedans là. Non, en fait, c'est la baraque à RC du 59. Ah, ok. Ah, Tony, tu caches un peu ce que tu fais avec ton écran du dessus là. On voit pas tout. Est-ce que c'est fait exprès? Non. Je suis désolé. Désolé, les amis. Voilà, super. Non, bah, je sais qu'avec moi, tu caches exprès, mais peut-être pas avec Virgile. Bon, j'ai mis un petit détrompeur. De toute façon, si Virgile, il te plaît pas le petit bout rouge, et bah, tu le couperas hein, avec un petit ciseau. Non, mais franchement, c'est une bonne idée, le détrompeur. Parce que... Mais malgré tout, j'ai coupé le câble assez court. Je te vois la stunt. Si tu t'obligeras à mettre la queue. Il est où la stunt? Toujours comme ça, regarde là, je peux pas aller le brancher sur le moins. Donc le plus, il est forcément là. Merci Jérém. Mais tu le vois où en haut? Tu parles de... En haut de l'écran, en haut de l'écran. Là il y a Tony en haut de l'écran, tu le vois pas? Non, je le vois pas là. Donc pour répondre, alors j'ai oublié son nom. Eh, bonsoir Monsieur Mumuse. Bonsoir Monsieur Mumuse. Salut Mike, comment il va Monsieur Mumuse? Donc je confirme pour Jérémy Cossandé. Panka. Salut Mumuse. C'est Bumblebee. C'est Tamiya. Monsieur Mumuse, tu es le bienvenu si tu veux venir dans le Discord. Avec plaisir. Hop. Tu es ici, chez toi. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne RC Mumuse. Allez vous abonner. Non, j'allais sortir une nouvelle vanne, mais... ne te fais pas trop de vannes. Il faut que j'arrête de faire des vannes. Parce qu'après, ils partent. Après, le mec, il va marquer, ouais... chaîne de merde, je me désabonne. Hop. Donc, Monsieur Cossandé, pour ta pancarte indice, il est conseillé 10,5 ou 13,5 en 2S, mais plutôt recommandé du 13,5 en 2S. Ah, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Bravo. Voilà. Les gars, écoutez-moi. Bon, d'accord, après ils vont dire, ça y est, il a les mollets qui... les chevilles qui gonflent. Ah, il y a une finale que je sais où, là, ramée, c'est vers chez toi, non, ça, David? Non? Oui. Non. Et mais Monsieur Mumuse, oui, ah oui, demain... Mais oui, tu dois être à l'hôtel là, Monsieur Mumuse, t'es en vacances là. J'ai essayé là, 1/10 à Fenouil, et bah voilà, tu vois, on a une petite 1/10 dans les mains là. J'ai regardé ton live, Monsieur Mumuse, la fin de ton live. Hop, à Fenouiller. Ça roule fort. À la ramée. Okay. Demain, il y a la finale GT8, hein, je veux bien regarder ça. Ouais. Mais écoute, c'est fou ça, tu te dis, nous on est dans une région où ici il n'y a que dalle au niveau modélisme, et puis tu as l'impression que dans le sud de la France il peut y avoir des courses quoi. Bon alors, il y en a eu, la ramée ça a été autorisé, mais par exemple à Fenouillet, Monsieur Ben Mohamed lui s'est fait refuser, il a prévu une course la semaine prochaine. D'accord. C'est en fonction des mairies, des préfets et compagnie, donc bon, c'est bien dommage. Bah ouais. Bonsoir Venom. On est dans une année... Bonsoir Venom. Encore une année pourrie. Salut Venom, Max Carter. Il est beau le circuit Mumusin de Toulouse. Ah bah oui, il faut partir sur de Obi-Wing, Jérémy. Moi je pense que c'est le meilleur compromis à l'heure actuelle. Même s'il y a d'autres marques qui sont très bien, mais moi je connais pas assez les autres. Bah après ça dépend, si tu fais du loisir... T'es pas obligé de mettre du Hobbywing, c'est pas ce qu'il y a de moins cher le Hobbywing. Voilà. Non, mais je pense que sur une pancarte de marque, il va pas mettre. Il a déjà mis. Je pense pas, parce que vu ce qu'il a mis sur sa X-Ray. Ah oui. Non, mais même, honnêtement, en ce moment, la Laloutre, il est bien placé sur un combo pour du indice 13,5. Je pense que ça peut l'intéresser. Alors, on est sur un câblage blanc. Oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne RC Mumuse, eh ben, allez vous abonner, c'est la meilleure chaîne de France, voilà. Avec un monsieur Mumuse qui est hyper actif. Ça c'est bien, ouais. Et qui invite énormément d'invités de qualité. Bon, après, si je peux me permettre une critique, je trouve qu'il a acheté trop de lampes. Hein. Hein, vous ne trouvez pas? Bah, des lampes. Les lampes de chez Elian. Je crois qu'il a acheté tous les modèles. Il a acheté tous les modèles, ce fou. Ouais. Son atelier, il fait 1 m², il achète toutes les lampes. Mais RC Mumuse, mais ça va plus. Ou alors, tu as prévu d'avoir un nouvel atelier de 30 m². Tu nous caches des choses. J'ai pété content que Monsieur Mumuse est à Toulouse. Ouais. Ben, moi, je serais bien allé. Aujourd'hui, j'ai pas pu. Et dans tous les cas, on ne peut pas y aller en tant que visiteur. L'accès à la piste est réservé qu'aux compétiteurs. Bah, t'arrives, tu dis je suis David Toulouse, je suis compétiteur. Tu dis je suis David Toulouse, le consultant de Tony RC. C'est un exemple, voilà, ça fait partie des mesures Covid. Ils ne peuvent pas accueillir dans l'enceinte autres personnes que les licenciés et qui courent à la course. Tu vois, les Suisses, ils ont beaucoup de voitures, je ne suis pas le seul, regardez. Ah bah oui. Ah bah oui. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, ouais. Il a du micro. Ah, t'as aussi la GTX-8. Ah, il a une GTX-8, mais Nitro, lui. Tiens, ok. Mais ben, dis-lui que tu l'as en version électro. Ouais, moi j'ai la version électrique, monsieur Cosandé. Mais il n'y est pas, Romuald. Il a pas fait la course, je crois. Et puis j'attends une Serpente 980, 989, je te parle en Suisse. 989E. Alors. Et quoi? Électrique. Et quoi? Ah. Arrête, David. La E. Big up à Mumuse, nous dit Obi-Wings. Big up. Ça y est, Laloutre. Ça y est. Putain, faut que je fasse. Big up. Big up. Comment il fait? Big up. Big up. Non, faut imiter son big up. Arrêtez de vous moquer, vous allez perdre. Monsieur Mumuse, monsieur Laston. Non, parce que monsieur Mumuse, il a dit... Il attendait d'entendre un big up de ma bouche. Alors ça va. Ouais. Surtout, je crois que monsieur Mumuse est en train de regarder ton cable management, Tony. Bonne nuit, Jérémy, au plaisir. Et il le regarde à la loupe. Bonsoir, Jérémy. Salut, Jérémy. Bon, les gars. J'ai fait un tour, ils en font 10. Qu'est-ce que je l'ai fait? Qu'est-ce que... Bah, moi, j'ai compris. Ouais, il a fait avec son Sherpa. Ouais, t'as fait quoi? Il a fait quoi en Sherpa? J'ai pas regardé. Bah, il veut dire qu'il tourne moins vite les mecs là-bas. Hein. Voilà. Bah voilà. Ce soir, JBD, j'ai vu une vidéo de JP Michel avec une XR8E à Grenoble. RX-8E. RX-8E, ouais. Ah, si tu veux. Oui. Oh. Ouais, on dit électrique, on dit pas électrique. Et vous êtes tatillon ce soir, les gars. Ouais. Pas moi, c'est monsieur de Toulouse. Ben, bonne nuit, RC Mumuse, alors. Mumuse. À bientôt sur ta chaîne. Bonne nuit, RC Mumuse. Je tombe. Bon, bah, écoute, bonne nuit. Et merci beaucoup d'être passé, Mike. Et pensez à tous ceux qui ne sont pas abonnés à vous découvrir la chaîne RC Mumuse. Vous allez voir. C'est incontournable. Avec. Ah, bah, mince, Jérémy. Tamiya, il recrute. Et je pense qu'il ne doit pas s'ennuyer, Mumuse, parce qu'en GT8, là, il y a une grosse ambiance. Il va être tenté. Non, et puis il y a vraiment une bonne ambiance dans les paddocks et tout. Les mecs, ils n'en peuvent plus. Ça fait depuis le mois de décembre ou novembre qu'ils attendent cette course. Ouais, elle a été reportée plusieurs fois, c'est ça? Ouais. C'est dommage parce que... Je finis, hein. C'est dommage parce qu'au début, la première ouverture de la course, pour les inscriptions, il y avait plus de 60 pilotes. Ouais. Et là, il y en a moins. Avec tous les reports, les annulations qu'il y a eu, je crois qu'ils sont une trentaine. D'accord, oui. À cause du Covid, ils ont perdu plus d'inscrits. Allez, putain. M'énerve ces petits fils. J'arrive à souder les gros, mais les petits filles ils veulent pas tenir. Voilà. Voilà, hop. Super, donc j'ai soudé le condensateur. Donc j'ai mis déjà 2 fils moteur, j'ai mis un fil d'accu. Et là, on est en train de faire l'autre fil d'accu qui lui va croiser malheureusement. Du coup, Tony, c'est lequel Vario que tu es en train de monter en Obi-Wing dessus là? Le Xerun, le Xerun 120 A bleu en promotion à 85 €. Ouais, voilà. Ça, ça irait très très bien sur le châssis de. Voilà, je te cherchais à manger. Ah. Quelle heure est-il? Minuit 20. Il va s'enfiler une pizza. Kazaoui, j'ai roulé aujourd'hui. Des câbles jaunes. Bonne nuit, Jérémy. Je vais me chercher. Je vais me chercher les pistaches. Des câbles jaunes? Bah. C'est des quoi là? Les blancs qu'on a achetés, c'était des quelle marque? Des VS Line? VS Line. Je sais pas si ça existe en jaune. Ah bah écoute, sinon, hey, tu fais le tour, mais regarde bien, regarde ce que j'ai dans ma main. T'as tous les mecs qui ne veulent jamais utiliser leurs câbles de couleur. Et ben, tu récupères tous les câbles jaunes chez tout le monde, et voilà. Parce que tout le monde a du câble jaune, du câble orange, qui ne servent à rien. En plus, t'as David qui fait des remarques, Tony. David, Clark. Par contre, tu devrais essuyer régulièrement la panne. Le décapant, ça l'arrange. Ok. Mais en fait, je le fais sur le côté. C'est hors caméra. Hop. Regarde. Si tu me crois pas. Regarde la gueule. Regarde la gueule de mon chiffon. Voilà. Mais qu'est-ce que mon fils a bougé ma petite clé. Ma petite clé qui coupe. Ma petite pince coupante là. J'aime bien avoir mes outils, j'aime pas qu'ils bougent. Mais je suis étonné que les condos soient soudés au moteur, moi. Enfin. Mais non, ils ne sont pas soudés au moteur. C'est les condos du variateur. Oui, mais ils sont soudés au fût sorti du moteur. Mais non. Mais non, ils sont au variateur. Sur le plus et moins du vario. Non. Encore ça. Si. Soudés sur le plus et moins du vario. Ouais. Il doute encore. Mais je vois mal. Tes lunettes. Non, mais... Merci Virgile. J'ai mal vu, alors excuse-moi. Tu n'as pas à être désolé, David, mais tes conseils sont les bienvenus. C'est... Mais en tout cas, ça me rappelle, c'est un avertissement que tu m'as dit et je ferai encore plus attention désormais d'essuyer bien régulièrement ma panne. Voilà, et de surtout pas... C'est vrai que quand je range le fer à souder, je l'essuie toujours très bien. Pendant qu'il est encore chaud, je le passe de côté là sur une vieille serviette. Et la panne, du coup, quand elle est chaude comme ça, que tu l'essuies, bah, elle est parfaitement propre et je le range toujours propre. Voilà. Mais tu peux changer des pannes, bien sûr, cela. Bah déjà, il est fourni avec deux pannes, une ronde et une plate. Pour les variateurs 1/8, la plate, c'est bien. Là, j'ai la grosse plate. Et pour un variateur 1/10, je t'avoue que la petite ronde plus pointue, ça m'aurait mieux arrangé. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait mettre la plate, alors je l'ai mis. Faire de chaleur. Bah ouais, c'est vrai que quand tu as une grosse panne plate, tu chauffes plus facilement. L'avantage avec une petite pointue, c'est que tu vas mieux facilement dans les trous pointus du variateur. Voilà. La deuxième prise PK, elle est sous châssis, elle est là. Voilà. Qu'est-ce qu'il met David Clark? Mon fils a 13 ans et du coup mes outils sont cadenassés. Bah voilà, mais je pense que mon fils a dû m'emprunter une clé, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est pour monter le variateur. Et ça remet à faire des vidéos, ton fils, alors? Bah écoute, il était en vacances, tu sais. Et on l'a mis deux jours chez la grand-mère. Et puis, tu sais, j'ai une vieille caméra d'action, genre une espèce de GoPro version 2. Et, mais c'est pas une GoPro, c'est une caméra chinoise que j'avais achetée sur Banggood, d'ailleurs. Voilà. Et elle n'est pas stabilisée, donc la vidéo qu'il a fait... Et en plus, il y a des parties d'images qu'il a filmées avec le téléphone. Et son téléphone, il est vraiment pas bon. Voilà, donc je lui ai dit, bah, écoute, la prochaine fois que tu sais faire des vidéos, tu m'empruntes quelques jours ma caméra d'action. Et puis, je ferai pas de vidéo pendant ce temps-là. Hein. Voilà. Ou bien, il peut me demander conseil. Hein, ça aussi. Pas pour la lumière. C'est de l'humour, Tony. Tu veux des vidéos avec un rendu jaune? Demande à Tamiya. Acheter des bougies. Non, mais avec le sopalin, c'était déjà meilleur. Et puis dehors, ça allait quand même. La solution, le sopalin. Alors... Il y en a un qui m'a marqué dans les commentaires que ça faisait tunisien d'utiliser un sopalin. Alors, je voyais pas trop le rapport. Mais... Tout à fait, Virgile. Une éponge humide. Effectivement, je l'ai pas. Voilà. Donc, ça, je sais ce qu'il faut. Je donnerai les conseils à tout le monde, mais je le fais pas. Voilà. Et je sais que ça marche bien, en plus. Arrêtez d'embêter Tony. J'ai un copain qui disait, moi, le jaune avec une cravate marron, ça se marie bien. Ah. Compris. Je suis en train de manger les restes de l'anniversaire, c'est bon. Ah, c'est en train de tomber tout. Ah. Oh, elle est belle cette soudure. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle cette soudure. Oh là là, elle me plaît. Mumblebee, t'es encore là? Encore là? Ah ouais, je suis là, Tamiya. Mais tu dis rien, pourquoi? Bah, je suis en train de régler mon hélico là, je me galère un peu. Ah bah ouais, bah, il y a un hélico à l'intérieur. Un hélico, bah, il a peut-être pas envie de le cracher d'abord directement. Ouais, mais ça se règle à l'extérieur, un hélico, c'est dangereux dedans. Voilà, deux petits détrompeurs, et il nous reste plus que un câble moteur à fixer. Ça dépend de la grandeur de l'hélico, t'as bien. Bah, Bumblebee nous a déjà fait une petite visite virtuelle. C'est pas des petits hélicos. Ah, non, okay. Je suis en train de régler le gyroscope là. C'est les hélicos de chez Vosges Modeliste. Non, pas tellement. Quand tu fais la présentation de ces hélicos chez Vosges Modeliste, dans sa, moi, dans sa gamme. Ouais. On me fait rire Romano quand il limite. Mesdames et messieurs. La société Vosges Modeliste vous présente. Ce soir, la société Vosges Modeliste vous présente l'hélico. Bon, bah, j'arrête de manger. J'arrête. Ah, j'ai soif, puis il n'y a plus que de l'eau. Mes outils sont cadenassés. Non, mais en fait, tu sais ce que tu fais, c'est que... Enfin, c'est pas ce que je fais, mais le conseil que je pourrais donner, c'est... Tu sais, de temps en temps, on achète des nouveaux outils, puis on a des outils un peu en doublon parfois. Et ben, limite, c'est de... Pourquoi pas lui faire une petite caisse ou un petit bac en lui disant, ça, c'est tes outils. T'as tous mes vieux tournevis plats, mes cruciformes, t'as une pince coupante, t'as une pince multi... Voilà, et s'il te plaît, t'évites de taper dans mes outils, quoi. Voilà. Et puis après, on dit aux jeunes, les bons outils font les bons ouvriers, et tu lui donnes toutes les merdes. Bah non, mais toi, tu peux très bien te garder, si tu t'es fait plaisir, ou tu t'es acheté des nouveaux trucs, des fois... Et puis des fois, t'achètes des... On a parfois des outils, on en a pas mal d'exemplaires. Hein. Mais il y a David qui dit de faire gaffe aussi au rappeur de soudure. Tout à fait. Il s'est fait mal. Il a eu mal au thorax pendant 2 jours. Ah bon? Là, je fais gaffe à pas les aspirer. Dès qu'elles sont devant moi, là, je les souffle. Et j'ai ma VMC, là, qui tourne à fond, là. Sinon, il faut soulever avec un masque, hein. Bah, je pense que ça, il faudrait, peut-être. C'est ta VMC, ça joue. Bah, je pense. Et David, t'as fait tes EC5? David, il mange. Ça y est. Bah, laisse-le répondre, Tamiya. Tamiya, il s'inquiète vite, hein, tu sais. Après Bumblebee, David. Trois jours après. Ah bah Bumblebee, pourtant Toulouse et Paris, c'est pas la Suisse. Hein. Dans le Discord, Bumblebee. Ah, les XT90, ouais. Il a ses outils, mais il me pique les miens. Facom, Wurtz, pour aller à la pêche. Ah ouais, tu m'étonnes, pour aller à la pêche. À la pêche, plutôt. Waouh. Rapide pour un Suisse. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait avec ces outils-là pour aller à la pêche? Il y va en bateau, non? Il répare le moteur. Sinon, tu prends les pourris pour toi et tu lui donnes les Facom. Mais bon, je sais que ça va te faire mal au cœur. Surtout s'il les perd et qu'il les fait tomber dans l'herbe. Et qu'il les oublie. Je savais pas, il va à la pêche à la clé de 12. Il jette les clés sur les poissons pour les rattraper. Il fait de la pêche à l'aimant. Connaissez la pêche à l'aimant? Voilà. Non. Oh, ça te plairait, toi, Tamiya, ça? Tu pêches, à l'aimant. Tu pêches avec des aimants ultra puissants. T'as jamais vu ça? Ils font ça dans la Seine. Toi, en Suisse, ils trouveraient de l'or au fond des rivières. Peut-être. Mais c'est pas aimanté, l'or. Non, c'est vrai. Non. L'or, non. Tony, là, j'aime pas trop les insultes comme ça. Hein. Pourquoi dans la Seine? Elle passe tout près de chez toi, la Seine? Bah, la Normandie, elle est traversée par la Seine. Je pensais plutôt à Paris. Ah, mais je vais trop remettre mon bateau à l'eau, j'ai réfléchi. Je vais faire des vues en drone, mais j'ai peur de atterrir dans le lac. Non, ça marche bien. Oui, mais est-ce que tu vas décoller de ton bateau? Ben justement, c'est ça, c'est que je vais décoller depuis le bateau, donc j'aurai pas le signal GPS, il sera... Alors je l'ai déjà fait, j'ai flippé, parce que moi c'était sur une péniche en mouvement. Et je peux te dire que j'ai flippé, parce qu'en plus le seul endroit où je pouvais atterrir, parce que le toit était bombé de la péniche, c'était la cabine de pilotage. Elle faisait 5 mètres carrés et la péniche avançait. Chaud, ouais. Et puis ben en fait l'autre problème qui s'est posé, c'est que la cabine était en métal et du coup la boussole du GPS du drone elle a complètement déconné. Donc j'ai dû passer en manuel sur un Phantom 4 Pro, t'imagines le truc. Ah ouais, c'est l'angoisse. Ouais. C'est l'angoisse totale. Et il y avait le copilote de la péniche. Je lui ai demandé, je lui ai dit, je vais me poser au ralenti sur le toit. Et je dis, le problème qui se passe avec le vent, c'est que des fois, au moment où les hélices, je les arrête, ça arrive que le fantôme, il se bascule un peu sur le côté. Il se met de côté, il chute. Et ça arrive très, très souvent. Et si ça faisait ça, eh ben, le drone, il serait tombé à l'eau direct. Et du coup, je lui ai dit, dès que le drone il approche, je dis essaye de faire gaffe à tes mains, mais tu plaques, tu sais, sous le fantôme il y a deux anses en plastique, tu le plaques contre le truc. Et il n'a pas eu peur, il l'a fait, il m'a fait confiance, mais je te jure que j'ai flippé parce que sinon c'est 1 600 € dans l'eau. Hop. Ah ouais, les fantômes, ouais, c'est... Oh, bah, déjà mon Mavic Pro là, ça a déjà passé 1000 balles. Mais bon, je le referai pas. Mon fils en Grèce, il a voulu filmer vers la plage et bah, il l'a perdu dans la mer. Ah, ouais. Ah merde alors. C'est vrai, les DJI ils sont bien, mais c'est vrai que tous, mais disons, surtout DJI, c'est vrai qu'avec ils sont précis au niveau du point de décollage, mais si tu bouges après, c'est chaud. À moins que tu peux aussi le faire revenir avec au lieu du GPS, tu peux le faire avec l'onde radio, non, Tony? Bah, je pouvais pas faire le point retourne to home, le RTH, parce que... Oui, mais si tu l'avais fait décoller, puis tu avais mis comme point ta radio. On peut faire ça. Ouais, il me semble, ouais. Ouais, mais ma radio, j'étais pas sur moi, j'étais pas monté sur la cabine de pilotage. Tu vois. Non, mais t'aurais... Ouais, d'accord, ouais, ok, mais... Il serait venu... Ouais, c'est vrai, ça semble. Ouais, moi j'ai eu le même problème, Tamiya. Toi aussi? On a fait décoller sur du bateau, on a fait décoller le Mavic Pro à mon pote, là. Ouais. Il l'a mis en mode pour qu'il nous suive en bateau, donc il nous suivait le drone, mais quand il a voulu le ramener, il voulait pas revenir. C'est des sales bêtes, c'est drôle. Et il repartait de là où on l'avait fait partir, quoi. Bah oui, c'est ça. Il faut déconnecter puis le mettre comme Tony a fait en manuel, mais c'est chaud. Si tu le vois, ça va, mais si tu le vois pas, c'est mort. Bon, Est-ce que j'ai fini les soudures là? J'ai plus rien à souder là? Non, t'as les moteurs, t'as le vario, t'as le... Ouais, non, c'est bon. Pour être honnête, la grosse erreur qu'on fait avec ces drones, c'est qu'on... C'est que t'as facilement des porteurs, il y a 1 km ou 1,5 km, et puis tu veux essayer, et puis tu le vois plus, quoi. Ok. On devrait pas, normalement, c'est interdit. Voilà. Donc à ne pas faire. Ok. Bon, eh bien, ça, c'est fait. On va peut-être placer, scotcher l'interrupteur. Il faut l'allumer, Tony. Pour l'allumer, il faudrait peut-être mettre le récepteur, déjà. Allez, Tony, allez. Comme ça, tu peux le bâcher demain, tu peux aller rouler demain. Ah bah oui, j'ai plus de voiture pour rouler nain. C'est dommage que tu aies pu la sapone pour aller bâcher, hein, Tony. Ah, mais j'ai une Asso, un Truggy. Ah bah voilà, tu as un Asso puis un Schum. T'es équipé pour demain. Non mais il nous cherche, la Virgile, hein. T'as vu? Qu'est-ce que vous en pensez que je teste demain le... Merci, Virgile. Le Truggy là sur ma zone de bâche. Salut RC Patapouf. Salut Patapouf. Vas-y, t'as l'autorisation, hein. J'ai ton autorisation? Ouais, ouais. Bon, par contre si je le fais demain, je vais pas pouvoir mettre de carrosserie, tu vois. Eh ouais. Ou alors je fais une nuit blanche. Ouais. Moi, bah, je prendrais pas ce risque, Tony. Non, de toute façon, si j'ai dit, hein, si je le faisais rouler, c'est juste pour voir comment ça accélère, c'est tout. Je vais pas faire rouler, tu pourras faire un petit test. C'est pas pour faire du ce qu'on fait avec des bâches, du Chronos ou du X-Max. Hein, non. Voilà. C'est une voiture faite pour faire de la piste, un Truggy. Et après, il y a ceux qui en font ce qu'ils veulent, hein, mais... Voilà. Salut, bonsoir Patapouf. Bonsoir Patapouf. J'ai vu quelques... Tu vois, t'aurais pris un jambou au lieu d'un Chronos. Ça roule que sur les roues arrière. C'était pas le problème, tu pouvais rouler demain. Ouais, mais c'est justement ça qui me déplaît. Au final, je suis content d'avoir pris... de pas avoir pris le jumbo, parce que le jumbo, c'est vraiment ce qu'ils appellent du stunt pour les mecs qui font du skatepark, des trucs comme ça. Et c'est pas mon délire. Mania. Ouais, c'est pas mon délire. Du Stuntmania. Pas drôle. C'est pas grave, Tamiya il rit tout seul. Écoute, j'essaie de me mettre au niveau avec l'humour, mais c'est pas facile. C'est l'humour suisse. Bon, on n'a pas vu Rémi ce soir, on n'a pas vu Christophe. Tu sais quoi, Rémi, il a dit qu'il allait aider au club de Rem à refaire le club. Ça se trouve, il est fatigué. Ici, Rémi, il était avec nous tout à l'heure. On est à 9h, on était tous ensemble, on discutait, mais il était crevé, il a tout travaillé aujourd'hui. Voilà, il a travaillé et ça lui arrive pas souvent, hein. Il est fatigué, voilà. Et puis Christophe, lui, il a été prendre un bol d'air à la plage Joab, il a pris l'air, c'est là, il dort. Christophe, il est avec 3% de batterie. Christophe, il était sur mon premier live tout à l'heure. Hein. Salut, c'est Madrasing. Salut à... oui, ça doit être Alex. Salut Alex de Monsieur RC Mod. Il y a Christo du 59 qui confirme, il a travaillé, Rémi. Voilà. Le cannabis est en vente libre en Suisse. Pourquoi, David? Je sais pas. Il doit y avoir des législations, mais moi je connais pas tout. Tamiya, il fume pas, il boit pas, mais qu'est-ce qu'il mange? Alors à moi que David se met des doutes sur mon objectivité. Ah bah si vous étiez en train de refaire les vibreurs avec Rémi, bah, bravo. Et puis tu montes la Sworks demain, Tony, t'as dit? Bah écoute, j'ai dit que j'allais monter la Sworks. Bah, j'ai entendu la fin de ton live avant, mais je sais pas si c'est toujours d'actualité. Putain! Faut que je le fasse. Le 7e putain de la soirée. Ah, David, comme je rigole tout seul. Mais c'est comme ça. T'inquiète pas, David. Alors... Non, non, je suis sobre. Je bois de l'eau parce que... Il suffit de lui dire la boîte à Trombadour, fuis-moi, Messi. Et voilà, ça y est, c'est parti. En fait, je me regarde voilà. Ça. C'est qui est. C'est qui est. C'est qui est. Bonsoir, messieurs. Ah, il nous a entendu parler. Oh, de non. Oh. Putain, l'a réveillé. Bonsoir, monsieur 3%. Ça parle de moi. Hey, monsieur 3%. J'ai une oreille à côté. Hey, monsieur 3%, ça va. Ah, ça va, ça va. J'étais en train de regarder mon futur téléphone. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, un téléphone suisse? Non, non, trop cher. Ils sont en or. C'est pas la peine. Ça téléphone lentement. Quelqu'un sait pourquoi les ailerons ne sont jamais quoi? Jamais peints, il voulait dire. Parce que ça, c'est joli. Parce que Rémi, parce que Tony, il sait jamais de quel côté il doit peindre les ailerons, donc il les peint pas. Non, puis c'est pas ça. Le mien est peint. C'est pas ça. C'est que il faut quand même avouer que l'aileron c'est du consommable. C'est ok. L'aileron c'est du consommable. L'aileron c'est dans certains, pour les T1/8, c'est souvent des matières souples, donc ça se peint pas. Voilà, les matières souples ils tiennent pas à la peinture. Et pour les ailerons 1/10, c'est du Lexan pour la plupart du temps. Et c'est pareil dans beaucoup d'échelles comme le T1/10, c'est du consommable. Sur la Serpente, il n'y avait pas un aileron normalement? Pourquoi tu dis ça? T'es sûr, Tony? Bah, je sais pas, il y a un truc qui traîne sur mon bureau, je me demande d'où ça vient. C'est quoi, un parc de ventilateur? Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu parles de ça? Non, parce qu'il me semble que j'en avais vu un sur les carrosseries protoformes. Ah, bon, ok. Mais c'est vraiment un petit bout de Lexan qui remonte derrière. C'est une espèce de toute petite lame de Lexan. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc-là, tiens? Et tu l'as acheté ou... Non, je ne l'ai pas acheté. Il est là et je l'ai gardé. Et je me suis dit... J'étais en train de me dire, je ne sais pas d'où il vient. Je vais attendre que quelqu'un réclame son bout d'aileron. Voilà. Je ne vais pas te le réclamer, t'inquiète pas. Bah si, je vais te le... Non, non. Bah, Laloutre, il va garder combien de temps ton châssis? Parce qu'au pire, il part lundi déjà. Ah bah s'il part, bah tant pis. Okay. Non, non, mais t'inquiète pas. La Suisse, ça coûte trop cher, la Suisse. Non, 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 non. Casse-toi pas la tête par un bout de Lexan. Hein. Tu me le montres et puis j'en découpe un. Hein. Tu verras bien quand tu vas faire le premier tête à queue, Tamiya, qui va accrocher la carreau. Et quand tous les mecs te diront, t'as pas le bout de Lexan? Bah voilà. Non, c'est pas grave. C'est quoi comme Vario, ça? C'est un Obi-Wing? Un Obi-Wing Xerun 120 ampères. C'est l'ancien haut de gamme qui est pas très cher. Voilà. Ah, c'est ce que j'ai. C'est celui que j'ai dans le camion. Oui, tout à fait. C'est le même. C'est le même. C'est le même. Non, mais c'est bon, là, l'autre. C'est juste. Faut l'envoyer. On va pas attendre un bout de Lexan. Le facteur passe demain matin, il dit là, l'autre. Voilà. Bah écoute, ça dépend si tu le veux. Ben, non, 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 c'est bon, c'est bon. Non, non, j'aime mieux recevoir la voiture que d'attendre sur un bout de Lexan. Je mettrai de côté pour un prochain projet. Voilà. Ça, en fait, c'est la technique à Tony. Il te garde un morceau de ta voiture, tu lui renvoies un truc. Bon, bah, et tu sais, il va dire bon, bah, du coup, je vais prendre une RX-8 2021. Hein, voilà. Surtout, n'oublie pas mon Lexan. Surtout, mon ventilateur. Un petit malin quand même, hein, Tony. Ah, Stéphane, tu verras quand tu auras ta Sworks et puis ton Team Magic à la maison, il va retrouver le ventilo, Tony. Alors Tamiya, Sébastien, pardon. C'est un Team Asso. J'ai dit quoi? Team Magic. C'est pas grave. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. C'est pas grave, c'est pas grave. Il a envie des conneries, Tamiya. Je suis fatigué. Non, non, il n'y a pas d'excuse. Ah, Christophe, qu'est-ce que tu m'as fait rire sur le live d'avant avec ton téléphone à 3% puis tu n'avais pas de chargeur et tout. Et si, j'ai un chargeur, mais je pense qu'il avait. Ça n'avait pas envie de charger, ça a du mal. Des fois, ça arrive, la batterie. Ça a mis une heure à rester à 3%, et puis là, ça va. Puis rappelle-moi la marque de ton téléphone déjà, c'est quoi? Samsung. Ah, c'est bien, Samsung. Samsung. Je sais jamais, faut toujours que je regarde. Le. Attends, je l'ai là. Hop. Non, je l'ai pas là. Samsung, ici. Pas l'accès. À son téléphone. Voilà. Ou à Tamiya. Hé, Christophe? Oui. Bon. J'ai trouvé, c'est Tamiya qui a envoyé le bougeoir. Le bougeoir. Est-ce qu'il peut envoyer le bougeoir? Tony. Oui. Channel 1. Channel 1, le cerveau. Channel 2, le vario. C'est ça. C'est ce que je sais jamais. Voilà. Merci. Ouais. Ah, puis c'est à Sanwa, donc il faudra que tu prennes ton tourneur vis-plat. Ah, ça y est, pour les autres, j'ai le droit de le faire. Non, mais apparemment, ça a l'air d'être rentré dedans, là. Ouais, c'est une copie pour moi, donc ça rentre. De toute façon, je vais... Là, ça rentre mieux que sur la tienne, mais non, il faut quand même enfoncer fort. Ouais, mais elle me semble beaucoup moins que sur la mienne. Oui, parce que c'est pas un Sanwa original. Le Sanwa original, il force grave. Oui, et ça, c'est un VS Line. Moi, c'est pas un original, c'est un VS Line, le mien. Oui, mais toi, ça rentrait pas. Quoi? Toi, ça rentrait pas. Bah alors... Pas grave, tu penseras à moi quand on aura fait un tout droit en ligne droite. Mais non, mais je vais couper le je vais limer un petit peu comme monsieur disait avant l'autre jour, là, j'ai un peu poncé. Bon, voilà, ça va rentrer, après, il y a le câble management qui restera à faire de tous ces câbles-là. Voilà. Ah ben, c'est bien rentré là-dedans. Mmh. C'est bien. Toc. Enfin bref. Il nous reste le sensor. Ah, c'est la folie, hein, tout ce truc. Le sensor. C'est une usine à gaz. Bah, disons que tu as beaucoup de câbles au final, quand même. Mal. Ah, il y avait moins sur la Serpent, c'était plus simple. Attends, le SRT, c'est un fil court ou un fil long? Fil long, celui-là. Ah ouais, ça faut regarder quand tu les achètes. Il y en a, ils sont bons en fil court. Ou... Ouais, il y a un paquet là. Ouais, mais j'ai. Après, c'est problématique quand tu les as en fil court, c'est... on ne pourra pas le réutiliser autre chose. Faut couper les câbles, bec. Ouais, faut couper. Moi, des fois, tu as les petits. Tu as des déports sur les câbles suivant les. Mm. Ouais, moi, je fais avec un cutter d'habitude. Ça, faut demander à monsieur Laloutre, David. C'est un spécialiste pur, là. Schumacher, ils existent depuis quand? Alors moi j'ai commencé le modélisme en 1991 et mon pote avait une Schumacher Cougar, donc c'est l'ancêtre de celle-ci puisque là, ça c'est la Cougar Laydown. Il avait le Cougar avec un châssis en alu barquette baignoire qu'on disait, un châssis baignoire qui remontait un peu plié par emboutissage. Voilà, et ça c'était en 90, tu vois. Ouais, donc le Cougar, la marque Schum existait déjà et elle avait déjà une belle réputation. Ceux qui roulaient Schum, ils aimaient déjà beaucoup cette marque. Ouais, puis Wartel a dit il y a 2-3 mois que ça revenait en force, Schum. Ah. Le problème, Virgile, de ton câble sensor, contrairement au mien, c'est que le tien, il est rond. Donc, il passera pas sous le moteur. Christophe, sort. Il faut qu'il en mette un plat. Il va falloir que tu t'achètes un câble sensor plat. Donc là pour l'instant, je vais pas te le mettre. Je vais pas te le mettre parce que là il va vraiment pas passer sous la cul. Mais regarde dans la boîte à Sébastien, il y a peut-être un plat. Quel saligo celui-là. Quel saligo. Non mais t'as Tony. T'as les plus. Non mais je vais lui mettre quand même. Hop. T'as pas monté du ICR8 récemment, Tony? Du plus, pourquoi? Si, Sébastien Faussaire. Bah ouais, t'as les deux câbles sensor dedans et les deux sont plats. T'as le petit et le grand. Regarde ce qu'il me faut, s'il me faut le petit ou le grand, et puis tu lui mets un des deux. Déjà, vérifie chez moi ce qu'il faut comme cam sensor, s'il me faut le long ou le court. Ah, sur ton petit masso. Oui. Mais oui. Si ça peut aider Virgile. Bah toi, il faut un cours. C'est juste à côté. T'as que 3 cm à faire. Bah alors mais lui, si ça lui va, mais lui, je sais pas combien il fait le long, combien de centimètres il fait le long, t'as qu'à prendre le long chez moi alors. Allez, voilà, faut mettre le chronos dessus, Tony. Bon, il fait 20, je trouve. Court fait 10, c'est de long. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. 20, bon. Ouais, 10. Faut mettre le chronos dessus. Là, vous avez pu dire, Christophe, ça. Ça va, mon Christophe? Ouais, j'ai mis un casque. Ah, ça te va bien. Ça, ouais, il y a un meilleur. Ça te rajeunit. Ah, merci. J'ai racheté un nouveau casque tout à l'heure, tout neuf, là. J'ai fait une superbe affaire. Achète-toi un téléphone, plutôt. Et sur cours, mais ça va. Là, c'est la batterie qui fatigue. Non. Alors, M. Groufil et Stéphane nous signalent que Schumacher a été créé en 1978. En combien? En français? En 78. 78. Non, Sébastien, t'as les mêmes câbles que Virgile, c'est les mêmes l'airons. Ah, pourquoi, okay. Pourquoi moi j'avais un plat sur ma pomme, hein. Et dans la Sworks. Ouais, moi j'avais un plat, Tony. Attends, j'ai pas envie de tout déballer tous les cartons là, c'est déjà le bordel ici. Après on va tout mélanger. Mais... Moi j'avais un plat, est-ce que c'était avec le moteur VS Line, le câble plat? Peut-être, ouais. C'est pas grave. Ouais, jette-le, Tony, voilà. Il a jeté ma voiture par terre, je reviens pas, quoi. Ah, il a morti bien. Ouais, mais c'est tellement robuste, Sébastien, que il n'y a pas de problème. Non, mais aucun souci, t'inquiète. Elle est pas par terre, elle est sur le carton de Virgile. Non, non, c'est bon, c'est réglé, Tony, c'est réglé. Tu m'as jeté par terre. Mais ils sont fous. Remets la caméra. Ils sont fous. Je vous le dis. On voit plus ce que tu fais, Tony. Voilà, super. Bon, écoutez, il me faut des lunettes, j'arrive pas à voir dans quel sens ça va. Comme ça, peut-être. Ah, mais c'est ça le problème des lunettes, Tony. On a vu que t'en avais. Ouais, mais j'aime pas. Mais ça, c'est à cause des câbles blancs, il est ébloui. Ah, mais moi aussi, je dois mettre des lunettes pour voir. J'aime pas que vous me voyez avec des lunettes. Et pourquoi? Oh, mais ça va dérangeant. Hein. Merci, David, toi aussi. Tu seras pas plus moche que David. Bonne nuit, David. Bon. Et t'inquiète pas, je suis sain d'esprit, David. Enfin, on sait pas. Ah, pas d'esprit. Ah, Laloutre dit que Obi-Wing, ils sont ronds, gainés, normalement. C'est ça. Ah, il a raison. C'est ça. Ils sont gainés. Ouais. Comme le vent. Mais sinon, tu fais passer par-dessus la queue. Tu rigoles, c'est trop moche. Tu mets 2-3 coups de marteau dessus, ils vont être plats. Mais non, mais on s'en fout, on fait passer en dessous. Ça, c'est un problème qui réglera tranquillos plus tard. Le problème du câble, soit il découpera la gaine et il le fixe avec du petit double face. De toute façon, regarde, on va fixer la Q, il est là. Une fois que la Q, il est là, hop, la Q, de toute façon, il rentre tellement en force, ça c'est un problème qu'il va devoir régler. Virgile. La Q, là, je peux vous dire que... Il rentre tellement en force, ta Q. Ouais, il rentre en force parce que bah, c'est pas un support d'origine, c'est un support clinique, voilà. Donc là, tu vois, mon cap sensor, là, il bougera pas, là, tu vois. Voilà, hop. On remet les petits joints toriques. Cette voiture. Hein? C'est un beau petit indice, ça, la Schum. Bah ouais, qu'elle est belle. Voilà. Hop. C'est vrai que des supports carbone comme ça, c'est joli pour le lac quand même. Allez, on veut voir le bon chemin. Moi, j'aime bien comme ça. Tu veux voir quoi? Bah, comme ça, ça s'allume. J'aime pas ce moment-là. Mais c'est pas grave. Et si, nous, on aime bien. Putain, on va partir. Alors, le moins dans le moins, Tony. Putain, les prises sont dures à mettre. Le fil vert sur le bouton vert. Tony, là, faut aller au maillet, tout ça. Sanwa au tournevis, puis là, Q au maillet. Ouais. Putain, ils sont durs. Tony, il a des problèmes pour enfiler avec des fois. Hein. Ouais, il faut que ça tienne, ouais. Tony. Ah bah là, elles vont pas s'en aller. Hein. Non, oh, merci Virgile. Oh, merci Virgile. Oh, qu'est-ce qu'il est bien ce garçon. Ouais. Prends des notes, Tamiya, prends des notes. Eh, je suis gold member, hein. Attention. Qu'est-ce qu'il a fait Virgile? Ah oui, excusez-moi, ouais. Virgile, merci beaucoup Virgile. Maître. On va t'appeler maître. Merci énormément Virgile. Et puis Sébastien va donner 10 € pour le ventilo. Arrêtez avec vos ventilos. Bon, il me restera Cab Management là, voilà. Donc on va faire le ventilo, puis... premier démarrage. Attention. Le 7... Attention, allez, allez. Attention, allez, elle va partir de la... Moi, je le mettrai sur une... Le 8. Un... Le 7, c'est mon Chronos, que je ne l'ai pas encore renommé. Le 8, c'est mon modèle de test. Et là, la voiture, elle se barre. Ça ne porte pas la poisse. Non, je ne voudrais pas. Oh là là. Bon, déjà, il y a les fils blancs qui jaunissent. Pas bon ça. Oh, 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 Tamiya. Pourtant, on n'est pas chez Tamiya. Ah ouais, non, c'est pas sa voiture, ça y va. Hein. Ouais, ouais, vous avez bien rigolé aussi. Bon, à part Sébastien, il m'a défendu, j'avoue. Sébastien m'a défendu. Tu as bandé le récepteur. Ouais, faut le binder. Ah, non. Non, mais c'est Virgile, c'est pas tout à fait le bon mot. Faut que je bind. Bind, voilà. Bind. Parce que là, t'as marqué bandé. Hein. Il y a une demoiselle qui écoute, je crois. C'est la copine à Tony. D'ailleurs, elle m'attend là. Alors, hop. Ah, ça y est, Tony. C'est pour ça que tu pars tout le temps. Là, Virgile, il est en train de... Faut régler les fins de cerveau, parce que là, là, je suis embutée, mais bon, ça sert à rien, c'est pas ma, c'est pas ta radio. Hop. Hop. Bah écoutez, j'ai même pas calibré le variateur. Ça tourne. Voilà, super. Ça va fonctionner, putain. Bravo Tony alors. Virgile il dit kiffe. Je kiffe Virgile, tu vas pouvoir bien dormir cette nuit. Tu m'as dit que tu avais des problèmes pour dormir. Voilà. Elle va bien s'endormir, ouais, ça va délorier. Ah, on a oublié un truc. Oh. Le ventilo. Ça ouais, n'oublie pas celui-là. Hein. Bah, je suis pas sûr qu'il soit utile, hein, mais bon. Et tu vois Virgile, regarde, je disais, ça serait le truc, c'est de te faire un support au-dessus, comme ça. Tac. Merde, hop. Après, il passerait peut-être pas dans un carreau, il faudrait vérifier. Non, à mon avis, il passera pas. Ouais, donc c'est une mauvaise idée. Ouais, alors... Tu prends un peu de fil de grillage, puis tu fais un support avec. Alors, le problème maintenant, c'est le fil du... Avec une pointe 210. Le fil du sensor qui est trop gros. Ah bah, vous deux, là, vous faites la paire, quoi. Ouais, qu'est-ce que je vais mettre comme... Tu réveilles Laloutre à 4 h du matin. Bah, bravo Virgile. Christophe, coupe le micro. Ouais, tu parles tout seul. On t'entend faire des choses, là on sait pas ce que tu fais. T'es aux toilettes. Ah, c'est 600. Vous entendez si bien que ça? Bah ouais, d'accord. Ouais. J'étais en train de me gratter les pellicules là. Ah ouais, d'accord. Non, je cherche des pneus. Ouais, chercher les pneus. On se demande où tu les cherches. Non, c'est vrai en plus. Olivier le colle sur le châssis à côté du moteur. Ah, Olivier, ouais. D'accord. Ouais, mais je regardais colle-le. Ouais, je suis obligé de le coller. En fait, je regardais s'il y avait. En fait, il donne deux vis, mais les deux vis c'est n'importe quoi parce que ça le visserait à plat. Donc on est obligé de le coller. Ouais. Tu dois percer le châssis, Tony? Non, je vais le coller simplement en double face. Ah, hein, c'est tout. Tu peux percer, puis tu mets double face. Ouais. Mais non, tu peux pas percer. Il faut te faire une équerre en Lexan, ça suffirait. Tu vois, une petite équerre. Ça percer là-dessus. Moi, je perce pas. Mais tu vas pas percer le ventilateur. Tu sais pas y mettre des vis. C'est n'importe quoi. Ah bah soit tu perces d'un côté, puis ça va pas. Moi, tu perces de l'autre côté. Enfin, tu sais. qui range toute sa maison là. Ouais, le micro est si sensible que ça. Je fais un test micro en vrai. C'est pour voir si mon micro est bien sensible. Ah, donc ça allait. Sensible, oui. On a entendu où tu l'as mis, donc il est sensible, c'est bon. Ah, il fait froid dehors. Faut rentrer, Christophe. Bon, Christophe, coupe ton micro, s'il te plaît. Et Harry, pourquoi vous entendez quoi? Bah tout. Sors. Tu fais un bruit de malade. Je sais pas, on entend tous tes commentaires. Tu dis, alors voilà le ventilateur. Sébastien, ferme les yeux. Voilà le ventilateur de Virgile. Il est beau. Ah, il est magnifique celui-là. Ouais. Ouais. Vous pensez vraiment à vendre elle-même avec un support bleu. D'ailleurs, ouais. Bah écoute, j'avais dit, je sais pas si tu les as eu, monsieur Laloutre, si t'es encore là, mais si t'as un 40 mm, si tu peux m'en envoyer un bleu. Ah oui, je crois qu'il a pas bleu, monsieur Laloutre. Non, il les a pas en bleu. Il les a pas avec le support bleu. Tu veux pas un noir? Il a que du noir ou du gris. Ah, oh, mais peu importe. Hein. Voilà. Mais s'il m'envoie un ventilateur, il met un autocollant avec Blots alors. Blots? Ouais. Même deux, il peut en mettre un pour le Team Asso et puis un pour le... Non, mais il y en a plusieurs, c'est des planches, regarde. Et puis, j'en avais déjà eu une autre fois, là, donc... il fait des planches comme ça, et en plus, elles sont prédécoupées, ils sont vachement bien faits. Voilà. Ah, c'est sympa, ouais. Voilà, voilà le Schum. Ah, il me reste un petit truc à faire avant d'attaquer la peinture. C'est les trous de carrosserie. Qu'est-ce que c'est que cette carreau qui rentre pas? C'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, Tony... Pardon. Tony Laloutre, il répond qu'il a que du 40 en noir et en argent. Bah, c'est toi, du coup. Ben non, si tu veux un bleu, on en rachètera un chez Wartel. Mais si tu veux en prendre un chez Laloutre, tu le prends chez Laloutre. Mais non, il n'y a pas de bleu. Ouais, bon, s'il n'est pas bleu, tant pis. Hein, si... ben, rose. Mais il a le... Après, mais je sais pas s'il a les supports avec. S'il est... noir, ça se fond dans la masse. Et s'il est argent, c'est pas trop gênant dans le sens où il y a déjà des biellettes à pain inversées qui sont chromées et t'as les cordes amortisseurs qui sont sur une couleur assez argent. Ouais. C'est soit tu prends bleu, soit tu prends noir, quoi, pour moi. Mmh. Ah, les stickers sont fabriqués chez les stis. Ah, bah tu vois, il n'a aucun support. Il n'a pas de support, Laloutre. Donc il faut prendre chez... Ah mince, ouais. Chez les stis stickers? Ah, je croyais que tu les ai toi-même, Stéphane, tes autocollants. Découpe quoi, Tony? Bah, j'avais pas vu que y a une forme de découpe bizarre à l'avant. Ah. Ouais, il faut la découper comme ça. J'avais pas vu les petits traits. Parce que là, elle rentre pas du tout, là, le carreau. Hop. Et quand j'ai la possibilité, je préfère qu'on découpe une carreau. Si vous voulez. Encore là, David? Oui, monsieur. Ah, je t'entends pas. Hier. Pardon. Christophe. Oui, c'est là. Range ton micro. Ah, mon micro, c'est mon casque. Je le mets tout, mon micro. Bah, attends. Hein? On entend tous les petits bruits que tu fais. Oh. Alors, ça se plaint. Alors, ça se plaint parce que c'est sur Christophe. Là, j'achète un beau casque et... Voilà. Non, non, mais il va peut-être de la qualité parce que on entend tous les bruits. Attends, on va peut-être récupérer un ventilateur, Sébastien? Il va pas le ventilateur à Virgile? Regardez. Il y a quoi? Regardez, il est trop. Il passe pas. Non. Il est trop. Regarde, ça relève la carrosserie de 5 mm par rapport à l'autre côté. Dans le cul. Voilà. Il est trop haut ton ventilo. Faut forcer un peu. Bah, ah non, mais il reste une solution. C'est de découper l'acéro pour le laisser passer. Oh. Tu peux pas le mettre de l'autre côté? Et Virgile demande si c'est un 40. Ça ah, tu mets... Ouais, Virgile te demande si c'est un 40. Ouais, c'est un 40. Ouais, il faudra qu'il... Alors il faut prendre... Ouais. Il fallait mettre un 30 normalement. Ouais. Bon, bah Virgile, tu le revends. Je te l'achète. Pas cher. 2 balles. Ouais. Encore pire, Tamiya. Mais sinon, ce que tu fais, tu dévisses le ventilo du Vario, puis tu mets celui-là sur le Vario. Ouais, ben non, Tony, cherche pas. Je regarde sur mon... Sur ma team associated. Sur mon asso, j'en ai un 30 vertical, tu vois, rouge là. Là, j'ai un peu toutes les couleurs puisque mon moteur il est vert et noir et le truc là. Mais voilà, voilà, j'ai un 30 mm. Voilà, ici. On a vu. Virgile, t'as de la peine avec l'écriture ce soir. Tu as quoi en diamètre sur ton i-court? D'après un coup de jeu. Christophe, il doit s'acheter un téléphone plutôt un clavier. Oh, Christophe, qu'est-ce que tu fais là? Ah ouais, j'ai juste... ouais, j'ai juste déballé... Attends, j'ai retiré juste le carton du plastique de mes ressorts. Ouais, ça fait un bruit dingue. On dirait Rémi. On dirait Rémi. Et bah ça se voit. Putain, il faudra pas que je fasse qu'une connerie parce qu'on entendrait. Ah bah. Là, on entend tout. Ouais, le. On peut le placer. Bon, bah, de toute façon, je vais le décoller hein, parce que là, il gêne la carreau, donc ça sert à rien. Hop. Est-ce qu'il passe? Non, il passe pas. Il passe pas derrière. Et derrière? Enfin, il pourrait passer, mais faudrait. Non, faudrait recouper carrément le renfort de châssis latéral. Là, tu le mets sur l'aileron, ça, ça va pas le faire. Non, il passe pas. Sincèrement, il passe pas. Tu le mets sur l'aileron, ça fait turbine, ça fait turbo boost. Après, je peux le coller sur la queue. Place non plus. Je peux le coller. Et devant, ah ouais, devant, il sert à rien. Non, non, mais il passe pas, c'est tout. Il y a pas. Il passe pas, c'est mort. Bah, tu le troques avec le tien, Tony. Il intéresse quelqu'un. Mais je sais pas où il a mis le mien avec le support bleu, donc je sais pas, je ne sais rien. Il doit être dégoûté là, Virgile, parce que, à mon avis, ouais. Il voulait celui-là, cette marque-là, j'en suis sûr. Bah ouais, bah ouais. En plus, on lui a dit qu'il était beau et tout. Bon, bah je le rends. Bon, le sable chaud. Sébastien, je crois que Laloutre, il a les mêmes en 30. Je me trompe pas. Sébastien, si je reçois deux ventilateurs à support bleu, je dis quelque chose ou pas? Non, regarde. Ouais, s'il te plaît, ouais. Non, non, tu dis quelque chose, s'il te plaît. Parce que le ventilateur et le support, je crois que c'est 26 €. Ah, ben ça va. T'as rien. T'as rien. Il les a pas, j'ai vérifié. J'ai vérifié 3 fois dans le colis. J'ai tout vérifié 3 fois, je comprends pas, moi, l'histoire du ventilo. Bon bah voilà mes amis, on va ranger un peu. Tony, on va se écouter. C'est pas grave, hein. Moi je sais pas ce qu'ils en ont fait, Wartel, hein, ce ventilo. Non mais Non mais sincèrement, s'ils ont oublié de le mettre, il peut avoir fait le carton. Non, il m'a et puis oublié de le mettre dans le carton. Bah, je lui ai envoyé un message quand on en a parlé. Et il m'a dit, il l'a bien envoyé, il l'a bien mis dans le carton, il l'a bien envoyé. Moi, je pense qu'ils ont raison. Je pense que c'est ici, chez moi, j'ai eu trop de trucs d'un coup et peut-être que... Ouais, mais non, mais ça m'est déjà arrivé que des fois, des trucs, ça glisse derrière un carton et puis tu le retrouves genre 6 mois après, quoi. Voilà. Sauf qu'il n'est pas sur le... Ah. La WL Toys à ton fils. Oh, David. Pour gagner en vitesse de pointe. D'ailleurs, ça fait partie d'un projet. Mon fils, il m'a demandé si on pouvait booster la WL Toys. Voilà. Donc, bah, tu peux prendre le combo variateur de Sébastien. Puis tu mets donc, dans la... non, mais il faut que je la démonte. Déjà là, j'ai mis un AQ que je roulais avec en M18 il y a 10 ans. Il marche toujours. Mais le moteur, le problème, c'est que c'est pas très accessible. Mais ça a l'air d'être la classe 540. Hein. Donc, c'est un moteur à charbon. Ça a l'air d'être vraiment un moteur très bas de gamme. Donc je pense que... T'as des combos brushless hein, pour mettre dessus pour 30 balles. Ouais. Tony. Oui. Ouais, la mienne elle est montée avec le Vinéléon Traxas. Tu peux débrancher la batterie à Virgile s'il te plaît. Tout à fait. Entendu Tony. Voilà Virgile c'est dit. Putain Virgile. C'est dur, je te le dis. Waouh. Oh bah laisse brancher si c'est dur. Moi, la mienne, elle a le vilain néon Traxas dedans. Messieurs, dames, il est temps de couper ce live. Oh, j'étais chaud là pourtant. Là. Ouais. Ah ouais. Je sais que vous êtes chaud. Mais moi, je suis fatigué. Encore, quoi. Tu me racontes une histoire. Bah, oui. Alors, il était une fois. Il était une fois. Un petit Tamiya. L'histoire d'un vieux mec qui a décidé de lancer une chaîne YouTube il y a 1 an. Et puis, cette chaîne YouTube... Et ben, il y a beaucoup de gens sympas qui viennent tous les soirs sur Discord et il y a une bonne ambiance et du coup on n'arrive jamais à couper les fins de live. Voilà. Non, on ne coupe pas ce soir. On ne coupe pas. On ne coupe pas. Sortir qui va te trouver quelque chose. Alors, quoi en haut à droite, c'est quoi le petit truc, la télécommande que je vois en haut à droite de l'étagère? Il me semble qu'il y a un truc bleu qui brille. Il y a un truc bleu qui brille sur ton étagère derrière, Tony. Ça suffit. Non. Non, ouais. Non. C'est quoi ce truc-là, effectivement? Ouais. C'est bizarre, on dirait un ventilateur de loin. Enfin, bon. Ouais. Ah, je pensais voir une belle carreau encore ce soir en peinture, mais bon. Bah écoute, moi aussi, mais il fallait avancer les projets et... mais bien sûr. Et il est temps que le Schum de Virgile reparte chez lui. Mais Virgile, il te dit, il vient pour faire la carrosserie, pour faire la peinture. Sans ventilateur, il va repartir. Eh bien pourquoi pas, t'es le bienvenu chez moi. Voilà, un stage aérographe en live. C'est pour le ventilo bleu. Stéphane, ça va hein. Eh bien, je vais ranger ça tranquillos. Demain, je vais avancer la carreau de Sébastien Fausser. Je vais commencer le design de la carreau du Schum de Virgile. Mon but c'est que pour mardi matin j'envoie les colis de au moins du Cougar et du camion que j'ai fait là, voilà. Et puis après il y a l'histoire du Corally. Ouf, on en parlera demain. Allez, bonne nuit à tous, merci à tous d'avoir suivi. Ah, merci. J'ai pas suivi le Corally, dis-moi l'histoire du Corally. Demain. Ah, il a mis le lien. OK. Alors, je dois vous laisser. Allez. Bonne nuit à tous. Allez. Bonne nuit à tous. Bon. Salutations à ta copine. Ciao. Ouais, il va jouer au jeu maintenant avec Tony. Salut.